Amis d'Omzi, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce dimanche soir pour un nouveau stream sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel sur la conception d'un fichier off de A à Z. Donc en gros, ça veut dire que ce soir... Ah, attendez, j'ai mon tour. Ça a l'air d'être bon le son. Alors, dites-moi un petit peu dans le chat si au niveau du son du micro, c'est bon pour vous. Voilà. Normalement, ça devrait être bon, mais bon. Voilà, donc aujourd'hui pour ce stream, comme je le disais, eh bien, on va faire ensemble un fichier off de A à Z. Je vais vous montrer comment on fait les afficheurs latéraux, frontaux, latéraux et frontaux, c'est bien ça. Et aujourd'hui, pour m'accompagner sur ce live, je suis en compagnie de mon co-animateur et modérateur du chat, Keyshow. Voilà, je le laisse se présenter. Si vous ne le connaissez pas, vas-y, c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Bon, moi aujourd'hui je serai votre modérateur pour ce live ainsi que collaborateur de TechMonstre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre ainsi que TechMonstre. Voilà. Donc oui, Loïc Van Lagenacker, oui, le live sera rediffusé à la fin. Voilà, il sera disponible dans les, je pense, 24 heures sur la chaîne. Ah, super. Parce qu'au dernier stream, ils ont déjà eu beaucoup de soucis au niveau du micro, donc là, je pense que ça doit être résolu, je pense. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ça commence bien. Déjà, comment créer un fichier off? Voilà, Comment attends, ça? non, attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà, donc... Alors, Skizer YouTube, le script ne fonctionne pas sur Roblox, ça ne fonctionne que sur OMZI 2. Voilà, parce que Roblox, je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, on va encore attendre un petit peu, le temps qu'il y ait encore quelques personnes qui arrivent, on ne sait jamais. Donc, ça me laisse le temps un petit peu de finaliser un dernier petit réglage ici sur le logiciel de stream. Voilà, normalement, ça se conjugue. Voilà. On va bientôt commencer. Eh bien, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en ces temps un petit peu troubles. Voilà. Donc, comme je l'ai dit pour les gens qui ne l'ont pas eu parce qu'ils viennent de nous rejoindre, aujourd'hui, ce soir, pour au moins, je pense, 1 ou 2 heures, je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre, aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un fichier off à partir de zéro. Voilà. Donc, comme ça, pour les gens qui ne savent pas comment ça se passe, comment... Tu veux savoir comment on fait ses propres chiffres personnalisés, ce genre de choses. Voilà, vous êtes au bon endroit. Le stream va bientôt commencer. Donc voilà. 21h04. Papapam. Alors, OBS, qu'est-ce que tu me dis? C'est parfait sur OBS. Tout fonctionne. C'est fantastique. Je vais. Voilà. Dans quelques instants, on va commencer le stream, le tutoriel. Ne vous inquiétez pas. Je règle encore une dernière petite chose dans le logiciel. Voilà, ça devrait être bon maintenant. Voilà. Donc, ça y est, on est parti. On va commencer en douceur, si vous le permettez. Voilà. Donc, la première chose à savoir... Ah, attendez, avant de commencer le tuto... Oula. Qu'est-ce que tu me veux, toi, YouTube? Ah, pardon, excusez-moi. Parce que je... Skizer, chaque chose en son temps. Donc, oui, Skizer, par rapport à la question que tu as posée pour les textures des bus, là, c'est pas le sujet du tutoriel. Aujourd'hui, on se consacre au fichier off, aujourd'hui. Voilà. Donc, on va y aller tout doucement. Donc pour commencer, eh bien, je vous invite à regarder un petit peu les liens que je vous ai mis dans la description. C'est des liens qui vont vous mener vers les logiciels qu'on va utiliser aujourd'hui dans ce tutoriel en live. Donc voilà. Nous avons donc... Enfin, je vais vous mettre un petit peu en écran, ce sera plus pratique. Voilà. C'est parti. Ouh, oula, oula. Ouh, tu te calmes le chat. Voilà. Ça, c'est un petit peu plus raisonnable. Voilà. Donc ça y est, nous sommes partis pour le début de ce tutoriel. Donc pour commencer en beauté... Je vous invite à télécharger ici les deux petits logiciels, donc à savoir Paint.net. Bon, si vous avez déjà Paint.net, ne téléchargez pas, bien évidemment. Si vous pouvez utiliser aussi GIMP ou Photoshop, mais je vous recommande de passer sur Paint.net parce que celui-là, c'est plus facile à utiliser. Vous allez voir, il est très ergonomique. Téléchargez aussi OpenSuite. Donc, vous allez voir, on va beaucoup l'utiliser aujourd'hui dans ce tutoriel. Et puis enfin, la dernière partie pour tout ce qui est K++ PC et template K++ PC, ça, on en parlera un peu plus tard ce soir, quand vous aurez bien compris comment fonctionnent les fichiers off basiques, on va dire. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on télécharge tout ça? Eh bien voilà, je vous explique. Donc, le plus important d'abord à télécharger en priorité, c'est celui-ci, OpenSuite. Vous le cliquez sur mon lien, vous allez arriver sur le OMZI Web 10. Donc, le OMZI Web 10, eh bien, c'est une plateforme qui héberge beaucoup de contenu en lien avec OMZI 2. Voilà. Pour télécharger, vous allez sur Dateien. Voilà. Et vous cliquez ici sur
Runterladen. Voilà, c'est ça, Runterladen. C'est pas facile l'allemand. Et vous cliquez. Hop. Vous acceptez les conditions et faites absenden. Voilà, et vous faites Bienvenue à toi, enregistrer. Trans-Québec. Bienvenue à toi, Bien, Ryan. Dieu, Bienvenue bien. à toi, Quentin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter. Voilà. Donc les gens, je vous invite à télécharger HopSuite. Voilà, vous trouverez le lien dans la description. Comme ça, j'attends un petit peu le temps que tout le monde possède le logiciel pour continuer notre petit tutoriel. Voilà. Et alors dites-moi un petit peu dans les chats quand c'est bon pour vous, quand vous l'avez obtenu. Parce qu'en fait, il faut vraiment que tout le monde l'ait téléchargé et pour que je puisse passer à la suite du tutoriel. Parce que je vais essayer un petit peu de faire un jour de live interactif. Voilà, où je vais faire des manipulations et je vais vous inviter à les reproduire en même temps. Bah oui, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Regarde un petit peu ce qui se passe. Ah, aïe, ça c'est pas bon ça. Dites-moi un petit peu sur le chat si c'est bon au niveau de la qualité de l'image, niveau du son, si tout va bien. Normalement, ça devrait être bon parce que j'ai fait des tests tout à l'heure, c'est tout était OK. Voilà. N'hésite pas, hein, Kisho, si tu veux parler, faire un commentaire par rapport, pour répondre à d'éventuelles Bah questions que moi j'en. j'ai rien d'autre à dire à part comment allez-vous tout le monde. Et Ivan, on n'a pas vu ton message, donc si tu veux reposter. Ah, c'est bon, il y a déjà trois personnes qui le possèdent, mais encore attendre un petit peu. Tant que les nouveaux arrivent et téléchargent le logiciel, parce que c'est un logiciel que vous allez avoir besoin pour concevoir les fichiers off. Alors, pour les plus vieilles, pour les vieux joueurs de MZ2, avant HopSuite, on avait un programme qui s'appelle HopCreator. Et vraiment, pour les gens encore plus vieux encore, avant, on faisait tout à la main dans le bloc-notes, c'était très chiant et très long, mais aujourd'hui, depuis je ne sais plus combien de temps, on a un petit logiciel qui s'appelle HopSuite qui est super pratique à utiliser, et vous allez voir, c'est un régal à utiliser. Bon. Il est un peu déconcertant au début, mais pas de panique, nous allons y aller progressivement. Bon, il y a déjà trois personnes qui l'ont déjà, donc on va pouvoir avancer un tout petit peu. Donc voilà, pour les gens qui nous rejoignent maintenant, eh bien, je vous invite à télécharger le petit programme HopSuite que vous trouverez dans ma description de la vidéo. C'est très important parce qu'on va l'utiliser. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Ah, faites pas attention, c'est juste pour moi avoir le. On va voir si tout se passe bien sur le stream en fait. Voilà. Donc, maintenant que vous avez HopSuite, on va passer à la suite de nos étapes. Donc, vous ouvrez l'archi. Donc, dans l'archi, vous allez trouver deux petits fichiers. La dernière version qui est la 1.5.3.exe. Et vous avez un fichier GIF, ça s'appelle la 1.5.3. À vous de voir quelle version vous préférez. En sachant que par la suite, vous devrez quand même créer un dossier, soit sur votre bureau, soit dans vos documents, ou où vous voulez, qui s'appellera exactement comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer les deux façons de l'installer. La première Quelqu'un qui façon. te dit qu'il connaît Offcreator de nom. Oui, c'est un vieux logiciel, ça, HopCreator aussi. Enfin, disons qu'avant, je m'en servais beaucoup pour faire mes fichiers off, mais bon, depuis que j'ai enfin réussi à maîtriser un petit peu HopSuite, j'ai tendance à plutôt l'utiliser. Voilà. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Ah, bah oui, maintenant que j'y pense. Bon, voilà, je vais vous montrer comment faire mes fichiers off, vous allez voir, c'est très simple. Donc, la première étape, on va commencer par le .exe, celui que tout le monde connaît. Donc oui, ça c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est normal si vous avez cet écran qui apparaît. Il faut simplement faire le petit message ici, exécuter quand même. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un virus, vous faites oui. Vous l'installez en anglais parce que c'est plus simple, hop. Et vous dites où vous souhaitez l'installer. Bon, moi je ne vais pas l'installer parce que je l'ai déjà installé. Donc par exemple, vous le mettez sur votre bureau, voilà, clac. Vous le mettez où vous voulez. Et vous faites next et vous suivez les étapes. Voilà. Ça, c'est la méthode pour l'exe qui est la plus simple. Maintenant, si comme moi, vous préférez utiliser à l'ancienne et les installer manuellement les fichiers, vous avez le 1.5.3.zip. Qui est ici. Alors, tout ça, vous faites un contrôle A. Vous allez où vous voulez dans vos bureaux, dans votre bureau, vos documents ou que sais-je d'autre. Vous créez un nouveau dossier. Hop. Vous l'appelez hop suite. Comme ceci. Bon, oui, moi, il est déjà créé, mais. Voilà, et vous mettez tout le contenu de l'archive dans ce dossier-ci. Voilà, hop. Cliquez déplacer ou CTRL A, CTRL C, CTRL V, c'est comme vous voulez. Et voilà,
Avec cette Oui, ouais, manipulation, rediffusion, Sam Gamer. oui, tout à fait, une rediffusion qui est prévue, ne vous inquiétez pas. Voilà. Pas de panique, si jamais vous devez nous quitter en cours de route, la rediff va être disponible dans les, je crois, prochaines heures après la fin du stream. Pas de panique, tout va bien. Voilà. Effectivement, Rustobus, je suis d'accord avec toi, tout faire à la main, c'est chiant. Effectivement, je ne te le fais pas dire. Surtout au tout début d'OMSI 2, où là, tu devais vraiment tout encoder, c'était bien chiant. Mais... Bref, voilà. Donc, comme je le disais, voilà, vous venez d'installer OffSuite, c'est un logiciel qu'on va beaucoup utiliser ce soir, parce que oui, je vais vous expliquer comment il fonctionne, comment on peut récupérer tout ce qui est arrêt de bus, girouette, affichage, roue, tout ça, via ce logiciel. Vous allez voir, c'est d'une simplicité, mais enfantine. Voilà. Donc, dites-moi si jusqu'ici, vous avez réussi à faire ces quelques étapes, voilà. Donc, je précise que c'est la première fois que je fais ce genre de stream tutoriel, donc voilà. Disons que c'est un concept que j'avais envie de tester sur la chaîne et ça répondait à certains de mes abonnés qui m'avaient quand Ça va même. très bien et toi Tu pourrais citer le nom de la Abonné, personne, tu pardon. vois. Comme ça, je suis pas perturbé en disant ça va très bien et toi, hein? Voilà, il faudrait quand même dire le prénom de la personne quand même. Mais j'ai des soucis avec le prénom, c'est pour ça. Ah, tu retiens pas les prénoms? C'est un petit peu problématique, effectivement. Voilà. Donc. Maintenant, je vérifie un petit truc. Oui, c'est bon. 18 personnes? Ah oui, quand même. Donc ça, c'est bon. Donc, voilà. Donc, dites-moi un petit peu dans le chat si de votre côté, c'est bon. Vous avez bien réussi à mettre off-suite. Si vous voulez que je vous réexplique ou si c'est clair pour vous. Mais je pense que c'est assez clair. Voilà. Maintenant, je regarde parce qu'ici... Ah non, c'est bon, la musique tourne aussi. C'est parfait. Ah bah. Ah, fais pas attention, c'est comment le pseudo? Gwenad, non, fais. Donc Gwenad, c'est ça? Excuse-moi, Kylian a du mal avec les prénoms et les pseudos, je ne sais pas pourquoi, mais. Voilà. Donc dites-moi dans le chat si c'est bon pour vous, vous avez réussi à le mettre ou. Donc vu que personne ne me répond dans le chat, je vais supposer que tout le monde a réussi à faire la manipulation, soit via le point .exe, soit via le point .zip. Donc on va passer à la suite des opérations. Donc, ce soir, eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire, donc, comme je l'ai dit, un fichier off de la map Grundorf. Alors, oui, je sais, le fichier off de Grundorf existe déjà, mais aujourd'hui, je vais partir du principe qu'on va utiliser la map la plus simple, une map que tout le monde possède, et vous allez voir comment on réalise un fichier off maintenant en 2021. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser, très. Voilà, très simple à utiliser, c'est ce que je disais. Voilà. Sans Freddy. Donc. Pour ouvrir OffSuite, eh ben voilà, vous allez simplement ici sur offsuite.exe. C'est tout simple que ça. Double clic. Et voilà. Vous avez donc ce petit logiciel qui s'ouvre devant vous. Et vous voyez, vous dites, waouh, il y en a des choses, dis donc. Eh bien, en fait, pour la petite info, avant OffSuite, il y avait son ancêtre, OffCreator, que j'ai beaucoup utilisé par le passé. Mais vous allez voir pourquoi tout le monde passe sur OffSuite maintenant. Parce qu'il est bourré de fonctionnalités super pratiques. Donc je vous présente déjà un petit peu les onglets, je vous montre à quoi ressemblent tous les boutons, vous allez voir, vous n'allez pas être perdu. Donc la première partie, ça va, cette partie-là, eh bien, elle va se mettre à jour quand on va faire l'importation des données d'une carte pour le fichier off. Ça, on va faire ça juste après. Ici, vous avez la partie Export Directories. Donc en gros, ça vous permet que quand vous cochez, ça dit au logiciel, je veux que quand tu appuies sur Export, ça envoie tous les fichiers off, enfin, ça réplique ce fichier off dans tous les bus que je t'ai dit. Donc ça vous évite les copier-coller 50 000 fois. Le logiciel fait tout pour vous, c'est super pratique. Donc on a ici New, ça c'est pour faire un nouveau fichier off. La partie Map Import, donc ça c'est pour importer les données d'une carte. Donc ici en l'occurrence Grundorf, on va y revenir juste après. On a Open pour ouvrir un fichier off. Save pour sauvegarder. Save As pour sauvegarder en tant que. Export, c'est pour l'exporter vers lorsque vous avez coché toutes les petites cases de véhicules. Donc, par exemple, si je veux l'exporter pour, je sais plus quel bus j'en veux encore, moi. Voilà, imaginons par exemple qu'on veut l'exporter pour le pack d'Irisbus, ainsi que pour le Citybus 628. Allez, s'il te plaît, descends. Et est-ce qu'il est? Et voilà, le C2 GPM, par exemple, c'est un exemple, hein. Et ben, quand vous avez coché tout ça et que vous appuyez sur Export, le logiciel, hop, il va répliquer dans les dossiers. Ah, on veut deux séparés. Bah, il va peut-être revenir, pas grave, c'est tout ce qu'il y a. Non, je suis fier, moi. Non, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, donc maintenant, je ne sais pas si tu regardes aussi le live qui est chaud. Ouais, je regarde. Puisque tu m'as dit que tu voulais aussi que je t'explique comment on fait les fichiers off, donc. Je regarde, t'inquiète pas pour ça.
Ok. Donc, on va passer à l'étape suivante. Donc, si jamais si vous avez des questions, je vous écoute, puisque je crois qu'on va faire comme ça. Chaque fois que j'ai fini d'expliquer quelque chose, vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Je vais essayer d'y répondre avant qu'on passe à l'étape d'après. C'est un petit peu comme les cours à distance à l'école. Quand le prof a fini de vous expliquer quelque chose, il vous demande si vous avez des questions. Ben voilà, à faire un peu pareil. Allez-y, faites-vous plaisir, restez à vous. Voilà. N'hésitez pas, soyez pas timide, hein, voilà, comme ça. Je préfère être sûr que tout le monde ait la réponse à ces questions. On va attendre quelques secondes. Voilà. Il y a quelque chose. Bon, écoutez. Bon, eh bien, apparemment, je vois que personne n'a de questions par rapport Attends, à. attends, un peu, je rappelle que t'as Ah oui, c'est un vrai, peu j'ai mis un mot de de ralenti, c'est vrai. décalage avec ton chat. Ah oui, c'est vrai, j'ai un décalage de. Faudrait que je regarde combien de temps j'ai de décalage. Je dois avoir un décalage de pas grand-chose, je crois. Ouais, mais ça, c'est normal, vous inquiétez pas, pas de panique. Voilà où j'en étais. Allez, remets-toi, s'il te plaît. Voilà. Tout est clair. Ah, parfait. Oui, puisque pour la petite info, je viens de voir qu'il y a un petit décalage entre 10 et 20 secondes dans ce que je dis et ce que vous voyez sur le stream. Mais bon, ça, c'est vraiment dépendant de ma volonté. Ça, c'est. Voilà. Mais bon. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde ce soir. Donc, voilà. Deuxième étape, chef, à vous. Ah, plus que deuxième étape. Allez, on passe maintenant. On met les mains dans le cambouis. On met les. Boum. On met les points sur les i. C'est parti. On passe à la partie importation de la map. Donc, vous allez ici. Map importe. Non, non, parce qu'on ne va pas se garder le fichier. Voilà. Vous sélectionnez la map que vous souhaitez utiliser. Nous, par exemple, ça va être Grundorf, oui, puisque oui, dans ce tutoriel, je pars du principe qu'on fait sur Grundorf parce que c'est une map qui est très simple. Vous sélectionnez la map que vous voulez importer. Alors, ça fonctionne aussi sur vos propres cartes également, même si vous êtes en train de développer une carte, eh bien, Offsuite va quand même importer tout ce que vous avez déjà encodé dans l'éditeur, les routes, les itinéraires, les arrêts de bus, les destinations. Voilà, il va tout récupérer. Voilà. Donc c'est pour ça que avant de créer le fichier off d'une map, il faut être sûr que vous avez fait toutes les lignes arrêt de bus, destination que vous vouliez faire. Bon, après évidemment, vous pouvez en rajouter plus tard par la suite si vous le souhaitez, mais il vaut mieux que vous ayez déjà tout préparé via l'éditeur. Voilà. Mais bon, ça pour cette partie-là, j'aurai l'occasion d'en reparler quand je ferai un live sur l'éditeur, où là je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe pour programmer les horaires, les itinéraires, les girouettes. Voilà, plein de petites choses là-dessus. Vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est dans les cartons, c'est pour bientôt. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi la carte, dans notre exemple, nous c'est Grundorf, donc vous faites Continuous. Voilà. Vous faites. Alors ici, nous sommes dans un cas d'école, parce que généralement, dans la majorité des maps, ça va vous dire qu'il va vous importer d'un coup. Mais sur certaines cartes, comme ici par exemple avec Grundorf, ça va vous demander qu'est-ce que vous souhaitez importer. Alors moi, par défaut, je fais All. Il y a encore un autre cas de figure où le logiciel, il va vous trouver un message d'erreur. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même importer normalement. Après, vous allez pouvoir régler ce petit souci par la suite. Voilà, vous faites Finish. Et voilà. Vous avez vu ici que Offsuite, il crée automatiquement certains dossiers. Donc, je vous explique à quoi correspond chacun de ces dossiers. C'est très important pour la suite quand on va attaquer le tutoriel en live sur comment on fait des annonces vocales, comment. Voilà, quand on va attaquer pour les annonces vocales, bon. Et un peu plus tard pour le cas plus plus. Donc voilà. Donc la partie announcement. Donc announcement, ce sont les annonces vocales. Donc en gros, ce petit dossier announcement, si vous voulez, c'est un petit fichier dans lequel on retrouve les annonces vocales de toutes vos maps. Voilà. Toutes les maps, voilà, vous allez retrouver là-dedans toutes les annonces vocales qui correspondent. Par exemple, la map Ruro V2, par exemple, les annonces vocales, tout ça va se retrouver là-dedans. Et quand vous allez rouler, vous allez encoder la ligne, ça, tout ça. HomeZ2 va dire, ah, je dois aller là-bas chercher. Hop, il va aller la retrouver et hop, boum. Comme ça, quand vous avez le prochain arrêt, HomeZ2, il a compris qu'il devait passer sa monstre là. Tout simplement. Ensuite, on a Roll Sign. Alors, Roll Sign, ça, c'est pour certaines girouettes, sur certains vieux bus, notamment les mannes de base, il me semble, avec les afficheurs papier, comme ça. Donc, moi, personnellement, je ne me sers pas de cette fonctionnalité dans le fichier off parce que je n'utilise pas de bus, j'utilise des, comment on appelle ça déjà, des bobines papier. Voilà, c'est un truc comme ça. Et cette plate, ça ne nous intéresse pas dans notre cas de figure. C'est pour, je sais plus d'ailleurs à quoi ça sert, mais bon. On n'utilise pas ici. Juste setting, qu'est-ce qu'il nous explique? Voilà.
Donc, ensuite, vous cliquez sur la première boule que vous avez devant vous et vous voyez que ici, Offsuite vous a récupéré 4 lignes. Ces 4 lignes, ça correspond à toutes les girouettes qui ont été encodées dans l'éditeur. Donc, Empty, bon, c'est vide, bon, ça, il n'y a pas de surprise. Nous avons le terminus Halberstadt, Krankenhaus et Boernorf. Donc, Krankenhaus et Boernorf, c'est les terminus. Voilà. Alors, il y a certaines maps. Alors, personnellement, moi, je fais comme ça quand je crée un fichier off sur une map. Je mets toujours numéro de la ligne, espace, nom du terminus. Pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que plus tard, quand on va faire le K++ PC, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple de retrouver quelle girouette correspond à quel K++, en fait. Tout simplement, Ah ouais, c'est. ton décalage est important. Combien de temps? Bah là, t'es seulement en train d'expliquer avec 0, 1, 2, 3 de off-suite. 0, 1, 2, 3, de suite. Regarde ton live en direct, tu verras. Je sais pas dire plus ou moins, parce que je n'ai pas le son de ta voix. Non, il n'y a pas tant que ça. Je viens de regarder la rediffusion et j'ai pas l'air d'avoir un si gros décalage que ça. Non, ça va alors. Bon. Pas grand-chose à mon. N'hésitez pas à ceux qui regardent si vous avez des questions Oui, à oui. poser en direct. N'hésitez pas, si vous avez des questions, pardon, posez-les dans le chat. Je vais essayer d'y répondre pendant que je vous explique comment ça se passe tout ça. Et dites-moi aussi s'il y a le moins de soucis par rapport au son ou décalage, quoi que ce soit. Voilà, n'hésitez pas. Normalement, ça devrait aller puisque je ne stream pas sur un jeu, donc ça devrait bien se passer. Voilà. Donc, je disais, ici nous avons donc les terminus que Offsuite a récupérés qui ont été programmés dans l'éditeur d'OMSI 2. Et attention, j'insiste beaucoup sur ce point. Il faut que dans Offsuite, le nom de la girouette que vous avez mis dans l'éditeur soit strictement identique. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, quand vous allez sur OMSI et qu'il va voir que le nom du terminus dans le off n'est pas le même que celui dans l'éditeur, il va se dire, qu'est-ce que tu me veux, toi? Et aussi, les passagers ne vont pas monter, ils vont pas comprendre, donc voilà. Il faut que le nom de votre terminus sur Offsuite soit rigoureusement identique à celui que vous avez encodé sur l'éditeur. C'est très 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 important. Sinon, ça va provoquer des bugs. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir que sur le côté droit, on a plein de petites options. Je vais vous expliquer comment ça se passe. D'abord, nous avons le nom du terminus. Nous avons le code IBIS, que vous pouvez changer jusque 3 chiffres. Donc, on peut aller de 001 à 999. Il me semble que si on me dit le 999, il est pris par une autre girouette, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus. Donc on va mettre 001 par exemple. Voilà. Krankenhaus, on lui met 002. Et Boernorf, on lui met 003. Voilà. N'oubliez pas de cocher ici la petite cage masque. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, si vous voulez, sur OMSI 2, vos girouettes sont limitées à 16 caractères. Et donc, en activant la fonction masque, ça vous permet de bien placer votre texte. Donc nous, on va taper Boernorf. Boernorf qui est terminé de la 76. Voilà. Voilà. Donc, je vous explique à quoi correspond chaque ligne. Donc, ça, Ibis 1, c'est ce que vous avez sur le petit boîtier Ibis. Ça vous dit quelle girouette a été encodée, si vous voulez. Anax 1, ça, c'est la première ligne de la girouette. Anax 2, c'est la deuxième ligne, la ligne du dessous. Là, les deux parties, Anax 1 et Anax 2, c'est la girouette frontale, ou l'afficheur, comme vous voulez. Anax side, ça c'est la girouette latérale sur le côté droit. Hop, voilà, on est pour AirNorth. RLP texture, cela ne nous concerne pas, ça ne concerne que certains bus bien spécifiques sur OMSI. D'ailleurs, je ne sais plus de quel bus il s'agit, mais il semble que c'est tout ce qui est les man SD de base, des bus qui sont vraiment plus très utilisés de nos jours sur OMSI, et certains bus particuliers aussi. Je ne sais plus de mémoire quels sont les bus qui supportent le roll band, mais voilà. Ibis 2, ça c'est pour certains véhicules qui utilisent ça. Ça non plus, je ne sais plus la liste précise de tous les bus qui ont besoin de la fonctionnalité Ibis 2 pour mettre les afficheurs intérieurs. Add place texture, ça on s'en fout. Et cette partie-ci est la partie la plus intéressante de toutes aujourd'hui parce que c'est là qu'on va dire au off, enfin on va dire en Ibis 2, il faut que tu ailles chercher ces textures-là dans ce dossier. Et c'est comme ça qu'on programme des K++ PC. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard dans ce live, vous inquiétez pas, c'est prévu. Anax Front, ça c'est comme au-dessus, vous tapez Boernorf. Ensuite, nous avons toute une série de lignes qui ne nous servent pas forcément. Donc ça, toute cette ligne-là, tout ça, de Icarus 280 0.2 Reverse Route jusque là où Rear Cooper, ça ne nous sert pas, à moins que vous utilisiez les bus qui sont mentionnés. Voilà, bon, moi personnellement, je n'ai pas tous ces bus-là, donc je ne me sers pas de toutes ces fonctionnalités. Et ici, dans Simple Cruiser Matrix, ça c'est pour certains très vieux bus d'OMSI 2 qui ne supportent pas les nouvelles girouettes K++ ni le système Anax. Voilà.
C'est vraiment pour les très vieux véhicules. Donc voilà. Donc je vais vous remontrer la manipulation qu'il faut faire, puisqu'on va faire ça pour les trois terminus. Bon, Halberstadt n'existe pas sur Grundorf. Ah, il n'a pas enregistré mon truc. Voilà, donc on va le mettre là, on va l'appeler, vous l'appelez Grundorf. Voilà. Comme ça, on sait qu'il est là. N'y a pas de souci à toi, The Lost. Tu vois peut-être ton commentaire avec une minute de retard, mais bon, tant pis. Donc, Halberstadt. Comme ceci, hop. Ok, comme cela, voilà. Voilà, il a bien enregistré mes girouettes. Crankenhaus. Hop, 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 hop. Et hop. Voilà. Voilà. Et donc, en seulement quelques minutes, vous venez déjà de faire trois girouettes pour Grundorf. C'est rapide, n'est-ce pas, hein? Et maintenant, la question que vous posez, c'est comment je peux faire pour ajouter mes propres girouettes? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous appuyer simplement sur le petit plus. Et voilà. Et là, Homzy va vous dire qu'est-ce que vous voulez encoder. Alors, nous, on va prendre par exemple la girouette pas en service. Par exemple, voilà, pas en service. Vous lui donnez un numéro, nous, c'est le 4. Donc, on va taper pas en service. Hop. Jusque-là. Après, on fera une girouette personnalisée, vous inquiétez pas. Je vous remonte la manipulation, si vous n'avez pas compris. Donc, on va faire la même chose, mais pour la girouette pause. Voilà, pause. Pause, 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 et pause. Voilà. Alors, imaginons que vous voulez faire une girouette qui tient sur deux lignes. Eh bien, je vous montre comment on fait, c'est extrêmement simple. On va mettre 5 capots sinon on va me casser les pieds. Imaginons qu'on va mettre une girouette qui s'appelle, par exemple, Krankenhaus via Bahnhof, par exemple. Bon, ce terminus n'existe pas sur Grundorf, mais c'est pour vous expliquer comment on fait pour taper une girouette sur deux lignes. Donc, vous appuyez sur le plus. Donc, Krankenhaus via Bahnhof. Je sais même pas si c'est écrit comme ça, Bahnhof. Ouais, voilà. On l'appelle 6. Donc, Krankenhaus via Bahnhof. Voilà. Donc, c'est vraiment pour expliquer. Donc, pour écrire sur deux lignes, c'est très simple. Voilà. Donc, un axe 1, c'est la première ligne de la girouette frontale. Et un axe 2, c'est la deuxième ligne. Donc, c'est 6 mais en dessous. Là, vous tapez via Bahnhof. Non, c'est pas comme ça, Bahnhof. Oui, c'est écrit comme ça, je crois. Voilà. Et voilà, donc vous avez fait une girouette sur deux lignes, c'est aussi simple que ça, c'est d'une simplicité enfantine. Et voilà. Voilà, donc là nous venons de réaliser comment on fait pour ajouter des girouettes dans un fichier off, ainsi que pour mettre sur une girouette sur deux lignes. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple à mettre en place, et c'est beaucoup plus simple qu'avec d'autres logiciels comme Earth Creator ou avec d'autres, je sais plus le nom. Voilà. Je vais mettre là comme ça, on va bien. Non. Voilà. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui est arrêt de bus. Donc, alors, par contre, pour la partie arrêt de bus, par contre, ça, c'est quelque chose qu'il faut se baser que ce que vous avez créé sur l'éditeur, parce que Offsuite va tout récupérer niveau arrêt de bus. Vous appuyez sur la deuxième petite boule, hop, et là, vous avez la partie arrêt de bus. Donc, comment ça se passe pour les arrêts de bus? Eh bien, ça se passe comme pour les girouettes. L'Ibis 1, c'est le nom qui est affiché sur le watch Ibis. Inside Display 1 et Inside Display 2, ça c'est l'afficheur intérieur dans les bus. Donc ça veut dire par exemple, je vais prendre un exemple ici. Donc là, en gros, si vous tapez sur les deux lignes, donc l'afficheur intérieur, ça va défiler. Donc par exemple, si je tape prochain arrêt sur la première, ça après en dessous, ça va mettre par exemple hôpital, par exemple. Donc je vous montre un exemple. Donc on va le mettre en allemand puisque tu m'as pas le monde. Nicht halt, Grundorf. Voilà. Et donc avec ces simples petites manipulations, vous pouvez ainsi faire un affichage défilant du prochain arrêt à l'intérieur de tous les bus. Voilà. C'est extrêmement simple à mettre en place. Voilà. Après, on s'en fiche un petit peu des autres lignes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les quatre premières pour les arrêts de bus. Parce qu'après, ce sont des véhicules spécifiques. Les véhicules du DLC viennent, qui sont un système qui est un peu particulier. Donc, on ne va pas aborder ça dans le tutoriel. Parce que voilà, il n'y a pas grand monde qui roule avec les bus de Vienne. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas en parler ici. Donc, voilà. Un petit instant, je regarde quelque chose. N'hésitez pas dans le chat hein, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous explique ici, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris ou quoi que ce soit. On est là pour ça, je suis là pour répondre à vos questions. Même si je sais pas pourquoi il y a moderne en 3 secondes, je sais pas pourquoi je n'ai pas. Voilà.
Ensuite, on va faire le même exemple avec Boer-Nord. On va faire ça avec tous les autres arrêts. Donc, on va recommencer avec le Nicht-Halt Boer-Nord. Hop, voilà. Nordspitze. Pas dans le parce que je ne souviens pas le monde. Nicht-Halt. C'est bon, je regarde toujours de temps en temps OBS parce qu'il fait parfois des blagues. Il est bien calme, il me semble, le chat, non? Ouais, il est très calme, à part Nightbot. Nordspitze. Non, c'est pas grave, continue. Je me casse la tête à retaper alors que Ça va, tu comprends ce que je fais, les manipulations? Ça, j'avais déjà fait. Oui, mais bon, ça, je te l'ai dit. Je t'explique aux gens comment ça se passe à partir de 0, un fichier Moi, off. j'attends vraiment pour le Kruger. Ça va arriver un petit peu plus tard. Hein. Voilà. Il faut déjà préparer le fichier off avant de passer au Kruger, donc. Nicht-Halt. Kösdorf. Hop, hop. Enstander-Fossbau. Hop. Accélère un petit peu, hein. Nicht-Halt. Et Sender-Fossbau, hop. Marque-place. Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser le CTRL-C, CTRL-V. Hein. Nicht-Halt. D'ailleurs, les gens n'hésitez pas à poser des questions là, si vous voulez. Crankenhaus. Alors, Crankenhaus est un terminus. Donc, vous pouvez aussi dire en MSI2, via le fichier off, mettre un truc qui met terminus de point nom de l'arrêt. Comment on fait? Ben, c'est très simple. C'est comme pour mettre le prochain arrêt. Terminus. Crankenhaus. Hop, et voilà. Comme ça, quand vous arriverez à l'arrêt Crankenhaus, à l'intérieur du bus, ça mettra terminus de point. Ça alterne Crankenhaus. Et voilà. C'est simple que ça. Et maintenant, si vous souhaitez rajouter un arrêt, vous appuyez sur le petit plus. Hop. Vous lui donnez un nom, par exemple, je ne sais pas moi, Parc. Voilà. Et vous tapez donc Parc ici. Par exemple, prochain arrêt. Parc. Voilà. Je remonte. Donc, on va créer un autre arrêt qui s'appelle par exemple Gare. Gare SNCF, puisque. Voilà. Donc, prochain arrêt. Gare SNCF. Voilà. Voilà comment on rajoute. Voilà. Voilà comment nous rajoutons des arrêts dans le off, tout simplement. Donc, il faut savoir que le off creator. Enfin, pardon, le off suite. Eh bien, apparemment, j'ai vu qu'il y avait des fonctionnalités très avancées avec d'autres bus où vous pouvez rajouter des arrêts qui disaient que quand vous avez cet arrêt-là, ça fait telle ou telle chose sur OBZ. Là, par contre, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai vu qu'il y a, il me semble qu'il y avait les Agora. Attends, Oui? est-ce que moi t'interromps? Il y a Loïc qui dit pour Estendorf, il ne me met pas la ligne Ibis 1 quand je clique sur l'auto-complete. Et puis 1, quand tu cliques sur l'autocomplete. Auto-complete quoi. Autocomplete. Lis le message. Attends. Je regarde un petit peu. Il n'y avait pas la ligne Ibis 1 quand je clique sur l'autocomplete. Attends, on va y arriver, ne t'inquiète pas. Je vais en parler de ça juste après par rapport aux routes et aux destinations. Alors moi je m'absente, je reviens. Ouais, pas de soucis. Ça, c'est une idée ou le live il a lâché? Tince-toi. Voilà, parce qu'ici, YouTube me fait des misères. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des micros là, je ne sais pas comment ça vient. Voilà, donc, je ne sais plus c'était qui la personne qui disait qu'elle avait un souci. Loïc Van Langenacker, voilà, c'est ça. Oui, on va venir après par rapport à la question d'Ibis, ne t'inquiète pas, on va en parler juste après. Donc, je disais, alors, sur certains bus qu'on a sur OMSI, il y avait notamment les Agora de The Ephemer, je pense, qui faisaient ça, qu'il avait réussi à faire en sorte que dans le fichier off, il pouvait programmer des annonces vocales à partir des fichiers bus. Alors, je vous avoue que j'ai pas très bien compris comment ça se passe. Je vous renvoie vers le tuto qui a été fait par le. Je sais pas si c'est le créateur, mais il y a un tuto qui avait été fait à ce niveau-là pour les Agora. Il saura mieux vous expliquer ça que moi, parce que j'ai pas tout compris. Voilà. Il y a des gens aussi qui m'ont certainement posé la question. Techmons, comment est-ce qu'on fait pour que dans l'indicateur intérieur, ça fait arrêt, deux points, nom de l'arrêt, puis après, ça change en prochain arrêt, machin chouette. Alors, c'est extrêmement simple. Voilà. Donc, vous créez un nouvel arrêt, par exemple, je ne sais pas, moi, arrêt, comme ça, arrêt Grundorf, par exemple. Voilà.
vous le mettez ici, hop, vous mettez array de point Grundorf. Voilà. Et après, si vous voulez rajouter le prochain array, vous faites. Et après, vous rajouterez ça. De toute façon, je vais expliquer ça quand on va attaquer Libby juste après. Voilà. Et c'est extrêmement simple à utiliser. Et puis enfin, on passe sur la dernière partie du off-suite, la partie qui s'intéresse donc aux routes, aux destinations, ce qu'on appelle les libis. Donc libis, c'est bien, c'est ce qui vous permet d'encoder les lignes que vous faites sur OMSI. Par exemple, ici, la 76, ligne 76, route 1, ça fait de Boenhorf à Krankenhaus. Voilà. Donc, je vais prendre. Alors ici, il a déjà fait pour nous. Donc, en gros, pour fonctionner, c'est très simple. Vous cliquez sur l'arrêt, vous cliquez sur la flèche, hop, ça déplace. Aussi simple que ça. Vous appuyez sur la flèche du haut pour le monter et la flèche du bas pour le descendre. Alors, je vous montre comment on fait. Imaginons qu'on veut faire une 76. Alors, dans notre exemple ici, on va faire un petit peu dans le style qu'il y avait sur le map Express 9106, je crois, avec le arrêt machin chose, prochain arrêt machin chose. Voilà. On va essayer de faire un truc dans ce site. Je vous explique comment on fait parce qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Donc, comment on fait ? Eh bien, d'abord, il faut déjà programmer ici le fait que, pour OMSI, il doit passer un truc qui s'appelle Array Grundorf, tout ça, ça. Donc, ça, c'est un bon exercice pratique. Voilà. Array. Allez, s'il te plaît. Array. Boernorf. Alors, je vous déconseille d'utiliser les caractères spéciaux. Parce que OMSI n'aime pas les caractères spéciaux. Array. Boer. Oui, bon, on va dire que c'est à peu près un écrit, hein. Boernoff. Voilà, je vais monter un petit peu. Alors, vous pouvez faire comme moi si vous voulez. Vous allez voir, c'est plus simple. Comme ça, vous allez trouver très vite les arrêts que vous souhaitez. North Pizza. Voilà. North Pizza. Voilà. On remonte. Elsterplatz, donc on crée un nouveau arrêt Elsterplatz. Voilà, donc faites pas attention si par moment je m'arrête, c'est juste que je regarde un peu ce qui se passe sur le chat en l'absence de mon modo. Ok, Elsterplatz, papapam, Elsterplatz, voilà, arrêt Gosdorf. Arrêt. Les Gosdorf. Si tu veux bien, merci. C'est bon, je regarde si ça diffuse bien. Hop. Gosdorf. Elsterdorf. Ouh, c'est trop long, je vais copier. Voilà. Le mec, la feignasse. Arrêt. Elsterdorf Osbau. Hop. Arrêt. Elsterdorf Osbau. Comme ceci, hop. Puis on a Estendorf Markplatz. Hop. Hop. Puis on a l'hôpital. Donc c'est le terminus. Bon, le terminus, on va pas mettre l'arrêt. Hein. On va laisser comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc. Je vous ai, on a fait ça simplement pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire un système qui indique le arrêt un tel, prochain arrêt un tel, façon Express 9106. Parce qu'il y a pas mal de gens qui aimaient bien ce système. Donc voilà. Donc on crée un nouvel itinéraire. Donc nous c'est la 76. Donc vous tapez 76, route 3. Non, c'est bon, tu m'as mis. Nickel. Vous mettez la destination. Donc là vous sélectionnez la destination de votre ligne. Donc nous. La 76 dans un sens, elle va à Krankenhaus, donc vous sélectionnez Krankenhaus. Et là, vous cliquez simplement sur les arrêts à descendre, mais avant ça, vous nommez le nom, par exemple, 76 Boernorf, Kranken, système, on va l'appeler système 9106, voilà. Comme ça, vous savez de quel map on parle. Il me semble qu'il y a ça aussi sur Horizon, aussi comme système. Donc en gros, ça ferait. Grundorf, Harry Grundorf, Boernorf, Harry Boernorf, Nordspitze, Harry Nordspitze, Elsterplatz, Harry Elsterplatz, Gosdorf, Harry Gosdorf, Einsteindorf Osbo,
Marplatz et Marplatz. Alors, vous pouvez voir que c'est pas totalement dans l'ordre. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur la remontée, hop, vous cliquez dessus, vous appuyez sur la flèche du haut pour monter et la flèche du bas pour descendre. Donc, ça nous donnerait un truc comme ceci. Voilà, bon, s'il te plaît, merci mon grand. Hop. Voilà. Et n'oublions pas non plus le terminus, Krankenhaus. Voilà. Et donc, avec ce méthode comme ça, vous allez avoir un système comme sur Horizon 16 ou sur Express en 1.06, où quand vous arrivez à l'arrêt, ça fait par exemple, normalement, alors, le système normal sur OMSI 2, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça dit, prochain arrêt, machin chose. Puis après, prochain arrêt, machin chose. Ça, c'est ce que vous avez sur toutes les maps OMSI 2. Mais sur certaines maps, comme par exemple Horizon 16 ou Express en 1.06, je pense, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait ça aussi. Si je dis pas de conneries, ben, je sais plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ça a bugué. D'accord, c'est le truc. Donc je disais, il y avait un système comme ça. Voilà, donc en gros, pour faire ça, c'est simple. Vous mettez le nom de l'arrêt. Donc ça fait arrêt, machin chouette. Vous appuyez sur la touche pour l'arrêt. Prochain arrêt. Le truc automatique, ça met arrêt. Vous appuyez sur la touche pour passer les arrêts. Donc c'est A ou Q sur votre PC. Ou R North. Là où vous dites, vous repassez le prochain arrêt. Arrêt North Pizza. Puis ainsi de suite. Voilà, jusqu'à ce que vous arrivez au terminus. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait pour avoir je dirais pas un système de localisation, mais pour dire une double annonce vocale, en fait, sur OMSI 2. Après, vous utilisez ou pas, c'est comme vous voyez. Donc, je vais refaire l'exemple pour la ligne dans l'autre sens. 04, comme ceci, voilà. Donc, c'est la 76 Krankenhaus Poernorf. Voilà. Elle est où? Poernorf, voilà. Et nous refaisons les mêmes manipulations, mais dans l'autre sens. Donc, ça donne Krankenhaus, Marktplatz, hop. Voilà. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà. Voilà, comme ça, nous avons fait en sorte que quand vous allez encoder cette numéro de route là, OMSI va comprendre qu'il doit passer des arrêts comme ça. Donc ça fait arrêt, instant d'or, puis prochain arrêt, puis arrêt, puis prochain arrêt, et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris un petit peu comment ça se passe le système. Alors, par contre, pour encoder, vous avez vu comment on fait pour encoder une ligne, vous appuyez sur le plus, vous lui donnez le numéro. Par exemple, si vous faites, je ne sais pas moi, la ligne 696, par exemple, c'est un numéro que j'invente, hein, voilà. Voilà, vous lui donnez le numéro 26, vous mettez le numéro de la route, que ce soit 1, 2 ou 4, ainsi de suite. Bon, généralement, Offsuite va détecter tout seul qu'il y a différents itinéraires possibles, et généralement, Offsuite, il va tout encoder pour vous à la place. Mais bon, parfois, Offsuite, il a des bugs d'importation, et vous devez retaper manuellement tout ce que vous avez fait. Voilà. Donc, il se peut que parfois, vous ayez à retaper les lignes qui s'étaient programmées sur là. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Et bien voilà, c'est comme ça que nous avons réalisé notre premier fichier off. Donc c'est pour ça que on va le tester ensemble sur Grundorf. Donc où est-ce que j'ai mis le fichier ici? Voilà, tu me l'enregistres. Donc maintenant, pour envoyer ce fichier dans tous les bus que vous avez sur OMSI 2 ou dans certains bus via le système de l'export, vous allez ici dans Export Directories. Vous allez, attendez, j'essaie de me retrouver. Il est où? Tellement de bus, moi. Elle va prendre par exemple ici le GPM. Il est. Et le pack de Irisbus. Et voilà. Vous cliquez sur Export. Alors, c'est tout à fait normal s'il vous dit par exemple que ce fichier existe déjà. Vous faites oui, puisque là on a recréé le fichier off. Vous faites oui. C'est bon? Tu exportes mon grand? Oui, je vais continuer. Donc il faut vraiment vérifier si il a bien fait, parce que parfois. C'est le GPM, je vais reprendre ça. C'est le GPM. Ici. Est-ce que c'est notre fichier off? Oui, c'est notre fichier off. Alors, par la même occasion, on peut voir ici que ça a été prévu pour être importé dans les fichiers. Donc, comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble la structure d'un fichier off si vous ne le faites pas avec Offsuite. Vous pouvez constater que c'est un gros bazar. Voilà. Donc, on a là tous les terminus qu'on a encodés, tous les arrêts de bus que nous avons codé dans le off-suite, les routes,
sont également là. Voilà, il y a tout. Hein. Vous pouvez voir que c'est quand même un gros bazar. Et je vais vous donner un exemple de à quoi ça ressemble un off K++ quand c'est plus ou moins terminé. Je vais prendre l'exemple avec ma map. Voilà. Voilà à peu près à quoi ça ressemble un fichier off K++ quand il est totalement terminé. Vous constatez que c'est un gros bordel. Donc c'est pour ça que c'est plus pratique de passer par off suite. Voilà. Donc si vous avez des questions, je vous écoute, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là ici, nous venons de terminer la première partie de ce tutoriel où on a juste fait un simple fichier off. Voilà. Et donc, en je pense un peu moins de 45 minutes, vous venez de créer votre profil fichier off ou fichier girouette pour OMSI 2. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va passer sur OMSI et on va tester tout ça. Il est où? Bah, il veut pas aller, lui. Allez, OMSI. Hop. C'est parti. On va tester un petit peu sur Roundoff, un petit peu comment notre fichier off se comporte. Évidemment, je ne suis pas connecté à Steam. Ça, c'est un peu embêtant. Voilà, on attend un petit peu que ça se lance. Donc voilà, on lance OMSI 2. Il y a zéro question, on dirait. Apparemment, les gens n'ont pas de questions. Ils comprennent bien les manipulations que je fais, visiblement. Là, ici, on vient de finir la première partie de mon tutoriel où on a créé simplement un simple fichier off. Là, on va commencer à attaquer ce qui, je pense, intéresse le plus les gens. Le K++, les girouettes alternantes. Yeah. Alors, Freddy Fred, est-il possible de créer des girouettes défilantes? Alors, par girouettes défilantes, si tu parles de ce qu'on a sur... Alternative. Attends, laisse-moi finir ma phrase. Si tu parles des girouettes qu'on a sur Grand Paris Boulon, c'est avec l'écriture qui va de droite à gauche, comme ça, qui défile, ça, c'est ce qu'on appelle les girouettes défilantes. Mais les girouettes alternantes, c'est les girouettes où ça fait, par exemple... juste un changement d'affichage, quoi. Ça fait rien de plus, quoi. Ça fait même pas l'animation, c'est bruit de décoffrage, comme on dit. Ça, oui, et ça, je vais expliquer ça plus tard dans cette soirée. On va l'aborder, je sais pas dans combien de temps exactement, mais ça va être abordé ce soir. Voilà. Donc là, on attend que notre cher ami OMSI se lance. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait, par rapport au fichier off, ou si vous avez une remarque, peut-être, c'est tout à fait possible que... J'ai peut-être pas parlé d'une fonctionnalité que vous connaissiez peut-être, hein, pour les gens qui sont un petit peu plus expérimentés, qui ne sont là que pour le K++ sur les girouettes alternantes, voilà. Non, pas sur Jean-Paul Moulon, s'il te plaît. Route d'or, hop. Pas avec ce profil, hop, non, on va mettre ça, hop. Voilà, en même temps, vous avez pu voir un mini-spoil d'une future vidéo qui va arriver sur la chaîne. Le guide de démarrage de OMSI 2, ça c'est vraiment pour les nouveaux joueurs. Ça c'est un projet qui est dans les cartons depuis un moment. Puisque oui, je prévois de faire un gros live qui vous explique un petit peu les bases d'OMSI 2, c'est-à-dire les options, comment se présente l'ouverture, comment... Voilà, je veux dire, les bases des bases que tout joueur d'OMSI 2 se doit de connaître. Voilà, vous expliquer comment fait spawn abuse, les boutons du menu, à quoi ça correspond tout ça, voilà. Donc là, on attend un petit peu que notre cher OMSI va bien charger, ce qui peut prendre un certain temps selon les PC. Voilà. Alors en fait, si vous voulez, on fait un simple test, voir si les manipulations ont bien fonctionné. Évidemment, nous sommes en pleine nuit. Ça va pas y aller. Le temps que OMSI finisse de se charger, je bois un petit coup. Non, c'est pas le bus là que je veux. Évidemment, OMSI prend son temps pour... Allez.
Je ne sais pas si tu as vu Kisho, mais j'ai aussi expliqué comment est-ce qu'on fait pour avoir l'alternance prochain arrêt, nom de l'arrêt, dans les affichages intérieurs du bus. Ouais, ça j'ai vu. Bon, on va regarder en eux, c'est très bien pour notre tutoriel. Hop, Northspitze Bahnhof. Ouais, Boer Nord, pardon. C'est pas le même terminus. Mais j'avais pas fini ma explication des girouettes défilantes parce que je viens de revoir le commentaire de Freddy Fred. Par contre, pour les girouettes défilantes, ça je sais pas du tout t'aider parce que apparemment c'est spécifique au bus du DLC Grand Paris-Moulon. C'est dans les scripts. Je sais pas très bien comment ça fonctionne, donc non, je vais pas vous l'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que je comprends pas comment fonctionnent les girouettes à la Grand Paris-Moulon, notamment sur la 06B, c'est comme ça. Moi non, je vais vous montrer les girouettes alternantes comme vous avez par exemple sur Ruro V2. Sur ma map, j'en ai fait sur mon off K++ programme aussi. Ah, qu'est-ce qu'il y avait encore? Et pour certaines maps aussi, mais c'est pas des trucs où ça va de droite à gauche, tu vois, c'est. Ouais, Melko, Voilà. Melko, oui, il y aura un tutoriel. Oui, Maiko, oui, il y aura un tutoriel pour modifier début saillie. C'est très très simple, mais bon. Voilà. Donc, on va démarrer la batterie du bus, sinon on ne pourra pas mettre l'afficheur. Voilà, on va dire qu'il a démarré. Donc, on va pouvoir tester nos modifications. Test annonceur sonore intérieur. Bon, on va laisser le bus finir de se démarrer. Test annonceur sonore extérieur. Voilà, merci. Donc, pour les gens qui veulent savoir comment on change d'affichage, parce que oui, il y a certainement des gens qui se posent la question, vous appuyez sur le bouton Alt, ALT, et vous allez sur le petit bouton 92, le petit bouton 92 qui est ici. Hop! Et là, vous choisissez dans la liste déroulante si vous voulez. Nous, par exemple, on va mettre le pas en service. Vous savez, c'est la première girouette personnalisée qu'on a fait, notre propre girouette qu'on a ajoutée. Et voilà. Ça, je veux bien. Et voilà. Voilà comment on ajoute une girouette personnalisée en V2. C'est aussi simple que ça, via le logiciel HopSuite. Je vous montre un autre exemple. Avec pause. Sais que moi, tu as seulement de voir que tu vas te mettre pour service. Non, ça va, t'as pas un si gros décalage que ça, là. J'ai à quoi? 20 secondes, grand maximum, je pense. Et voilà. Donc, ensuite, nous avons la girouette sur deux lignes. Voilà. Voilà. Donc, avec ce que nous avons vu pour l'instant, vous savez réaliser un fichier off tout simple, en 45 minutes, pas plus. Des girouettes sur une ligne, des girouettes sur deux lignes. Voilà. Comme ça qu'on fait les girouettes sur V2. Alors, je ne sais pas si sur ce bus. Parce qu'il utilise son propre afficheur. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va pouvoir. Je vais peut-être changer de bus parce que celui-là, je ne sais pas s'il le fait. Non, il ne le fait pas. On va changer de bus pour tester l'autre partie de notre off parce que le C2 GPM, il est un peu particulier comme véhicule parce que si vous voulez, pour afficher les arrêts, il faut que vous ayez déjà choisi un horaire en fait. Voilà. Le C2, il est un peu particulier. Le C2 GPM est un peu particulier au niveau des horaires. Freddy Fred, comment tu fais pour avoir le texte en blanc? Je vais l'expliquer quand je vais attaquer les K++ juste après, ne t'inquiète pas. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Donc on va changer de bus, on va prendre celui du pack Irisbus. Parce que je sais que celui-là. Mais il n'y a même pas l'affichage à l'intérieur, tiens. Je ne sais plus. Voilà. Richard Seals, pour faire fonctionner la girouette, on est obligé de modifier les arrêts et mettre prochain arrêt, arrêt, etc. ou pas. Non, pas du tout. Tu peux juste appuyer. Alors, tu as juste appuyé sur le petit bouton 92E. Ça, c'est si tu veux choisir une girouette précise dans le off. Ou bien en appuyant sur l'ibis du bus. C'est le ZIL. Et puis, tu mets le numéro qui correspond. Nom avec la rouée. Voilà, on va tester un petit peu. Donc, il est où? Ah ouais, 76. Ah, c'est bon, c'est bien le bon fichier off pourtant. Bah ouais, c'est le bon fichier off. Ah, c'est bizarre qu'il ne le prend pas. Attendez, je vais essayer de mettre le fichier off dans un autre bus. Un bus qui, je sais, il y a un afficheur intérieur à la bord. Bah oui, des modes de base, tout simplement. Hop. Je pense que tu dois mettre 00 76 00. Ouais.
C'est ce que j'allais dire. Oui, en fait, il faut mettre 0076 00. Pour la ligne 76, si vous faites la ligne 1, c'est 0001 00, il me semble. Un truc comme ça, quoi. Mais bon. Richard, ça ce sera après avec les Kruger. Voilà. Oui, exactement, il faut mettre d'abord le numéro de la ligne, puis tu mets le numéro de la route. À moins que dans le off suite n'enregistre que le 7600. Il fait ça parfois, des délires comme ça. Voilà, ça je sais qu'il va peut-être fonctionner. Ouais, je l'aurais bien dit, mais Tu tant m'as que je suis pris off mon dans le bon fichier panneau, off? l'épreuve à l'eau. Ouais. Non, là je vais mettre avec les vues de base parce que tout le monde peut faire le test ainsi. Voilà, donc on va taper par exemple ligne 076. Voilà, route 1. Voilà. Comme ça, vous savez que notre fichier off est fonctionnel. Route 4. Voilà. Et regardez à l'intérieur. Bon, évidemment, c'est vide. Voilà. Là, ça vous met arrêt. Et ça défile avec Enzersdorf, Marktplatz. Einsteindorf, Ah Marktplatz. oui, c'est vrai, il y avait déjà les annonces vocales. Et voilà comment est-ce qu'on fait pour mettre prochain arrêt. Hop, ça change. Donc l'arrêt dans tous les bus de Mzi 2. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc vous avez des questions? Par contre, question, est-ce que ça marche ton arrêt défilant par exemple sur une Mercedes facelift de Morphy? Techniquement, oui, ça pourrait fonctionner parce que, en gros, si tu as déjà un bus qui a un ce genre d'afficheur et que ça fonctionne, ça va fonctionner. Le C2 GPM, ça ne fonctionnera pas parce que il a un système qui est spécifique. Le GX de GPM, pareil. Ah, c'est bon encore. Les bus du pack Festive V2, c'est comme ça aussi. Je veux dire, tous les bus où tu sais que tu as un écran comme ça, même le pack Vanol, il va supporter ce système d'arrêt défilant comme ça. Et le vieux man double étage, tu penses qu'il marche? Oui, ça va fonctionner. C'est le même système que les man standards comme ça. C'est pareil. En fait, les man de base, que ce soit les standards, l'articulé ou les étages, parce que vous avez 4 bus avec comme Z2, qui sont inclus avec, ils utilisent les mêmes scripts au niveau des afficheurs. Donc voilà. Si ça fonctionne sur un, ça fonctionne sur les 3 autres. Sauf si vous prenez les vieilles versions des man à étage, les man SD200, là ça fonctionnera peut-être pas parce que c'est un système avec des roll-bans, c'est tout un bordel. Les SD202 à partir de D90 le prennent aussi, cette fonction, il me semble. Je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus roulé avec ces bus, donc voilà. Bref, donc on va revenir à notre tutoriel. Et maintenant, on va attaquer ce qui vous intéresse le plus, le K++. Si mon ami Omzi, tu veux bien sortir, je te prie. Il fait le tour, hein. Alors, les agoras de éphémères supportent aussi du coup. J'ai pas testé, mais techniquement, oui. Mais ces bus-là sont un tout petit peu plus différents que les autres, en fait. C'est un système un petit peu différent, en fait. Mais je pense que sur ces bus-là, sur l'Ibis, il va te mettre arrêt machin, prochain arrêt machin, tu vois. Sur le petit boîtier, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Allez, on attaque la partie qui vous intéresse le plus, le K++. Donc c'est parti. Alors, petite explication à savoir concernant le K++. Il est mon fichier, voilà. Alors, le K++, si vous voulez, c'est pour avoir les belles girouettes colorées avec un indice de ligne en couleur. Et après, vous mettez un petit texte en blanc, vous mettez le numéro de la ligne. Donc, par exemple, je sais pas moi, 114 porte un tel. Voilà, vous pouvez par exemple dire que le 114, il est encadré en rouge, en bleu, la couleur que vous voulez. Et voilà, vous tapez 114 et après, vous taperez le nom de la ligne qui vous intéresse. Pour Moi, ce... comme affichage, j'aurais pu s'utiliser comme exemple en pause avec un fameux tasse de café. Alors, je vais en parler. Ce que je vais vous montrer ici, ça fonctionne pour la grande majorité des girouettes K++. Là, c'est vraiment les girouettes très simples, numéro de la ligne, destination. Il faut savoir que si vous voulez faire des girouettes K++ qui s'affichent sur deux lignes ou avec des logos, il faut passer par paint.net. Donc, je vous explique, ne vous inquiétez pas. On va d'abord faire la méthode la plus simple avec un site qui s'appelle kpp.genève.ch. Pourquoi c'est un nom comme ça, je ne sais pas. En gros, c'est un site qui vous permet de concevoir vos propres K++. Le lien se trouve dans la description. Voilà, comme ça vous cliquez dessus et hop, c'est parti. Oui, Freddy Fred, si tu veux, 299 Porte d'Orléans, pourquoi pas.
Indice en orange, voilà. Donc, pour faire votre girouette K++, c'est extrêmement simple. Vous mettez la destination. Je ne sais plus les numéros des codes, ils sont où? Je ne sais plus de mémoire où est-ce qu'ils sont. On va mettre 1 par exemple. Destination de même, nous c'est Alperstadt, par exemple. Donc vous voyez là, il s'est actualisé. Ensuite, vous tapez le numéro de la ligne, nous c'est là, je ne sais plus. On va taper 70. Même pas, parce que en fait, sur Gundorf, tu as la 76 plus 76, une ligne secondaire. Mais bon, on va dire 76. Hein. Voilà. Vous tapez 76. Vous choisissez la police. L'écriture. Hein. Vous avez le choix entre du 10-5. Ah oui, j'ai oublié de mettre la couleur. Line background color. En gros, c'est pour mettre la. Hop! Faire un bel encadrement couleur. Vous inquiétez pas, sur le 76, tout s'est écrasé. On va corriger. Pas de panique. Hein. Voilà. Donc en gros, ça, c'est pour mettre le petit fond de couleur. Donc foreground, ça, c'est la couleur du texte. Nous, on va le mettre en rouge. Bon, j'ai mis en blanc, par exemple. On va par exemple le mettre en orange. Faut faire plaisir à Freddy Fred, par exemple. En orange, on met du blanc, on regarde le blanc. Outline color, ça c'est un genre d'ombrage sur le texte. Regarde, je vous montre ce que ça fait. Hop, comme ceci. On va changer la police parce que c'est un peu petit. Ça c'est encore petit. En fait, il faut vraiment faire des tests, voir la police qui vous plaît le plus en fait. Faire des tests. Ça a l'air pas mal. Donc nous, on va taper par exemple, c'est quoi? Halberstadt, c'est ça, ce qu'il est. Halberstadt, voilà. Halberstadt. Vous tapez votre destination, c'est Halberstadt. Bon, évidemment, il faut mettre en blanc, comme ceci. Vous mettez la taille de la police que vous voulez. On va mettre par exemple ici le Schurafund 14.10 EV. Et voilà, vous avez déjà le début de la girouette qui est fait. Bien sûr, vous pouvez l'augmenter. Quand vous voulez, vous faites des tests un petit peu en fonction de ce que le site vous propose. Selon vos goûts, bien sûr, comme vous voulez. Là, vous pouvez rajouter une icône, par exemple, de car, de parking, de RER, de tram, de métro, d'aéroport, d'hôpital. Ça, c'est pour le parking, je crois. Et pour un petit panneau scolaire. On peut faire une inversion. Donc, on peut mettre la girouette en négatif, comme ceci. Personnellement, je ne connais pas de Maponzi qui utilise des girouettes comme ça. Mais je sais qu'en vrai, il y a. Il me semble qu'en Belgique, chez en Flandre, il y a de l'Aisne qui utilise ce genre de truc sur certaines lignes pour bien dire que c'est des lignes qui passent par des chemins alternatifs. Tu vois, c'est pour bien dire, voilà, c'est une ligne spéciale. Comme ça, tu sais qu'elle ne fait pas le même trajet que les autres. Moi, je ne m'en sers pas. Mais si vous trouvez ça cool, voilà. side text. Alors, ça ici, side text, c'est pour le côté latéral. Donc, vous choisissez la police qui vous plaît. Vous mettez du blanc ou du orange si vous voulez. Vous mettez du orange aussi. Si vous voulez mettre de l'orange, vous mettez de l'orange. Voilà, la police. Vous faites des tests. Hein, voilà, vous regardez un petit peu ce qui vous plaît en termes de girouette. Voilà, vous faites des tests. J'ai même vu qu'il y avait la parisienne aussi. La fameuse police d'écriture parisienne. Ça rend vachement bien. Oui, mais la parisienne. Ah oui, c'est pas mal cette police-là. Ça claque. Et comme au-dessus, vous avez le choix de l'icône. Vous pouvez rajouter. Et pour mettre en négatif, c'est comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, pour télécharger, avant de télécharger, détail très important, on va devoir créer un dossier pour stocker notre Cougar K++. Alors, pour créer ce dossier, vous allez dans le dossier MZ2, qui se trouve dans ces deux points, programme x86, SteamApps, Common, MZ2. Puis ensuite, là, vous avez votre répertoire MZ2, là où il y a tous les fichiers du jeu, vous allez sur Vehicle, puis sur Unshaken, sur Kruger et puis vous allez sur 230 x 32 et là vous créez un nouveau dossier avec le nom de votre map. Donc nous on va l'appeler Krondorf parce que ici il s'appelle Krondorf et voilà. Et donc ce dossier va contenir toutes nos images K++ PC pour mettre les belles girouettes polychromes avec des indices de ligne en couleur et tout ça. C'est là que ça va se stocker. Donc maintenant nous allons nous, alors maintenant nous allons configurer le fichier off pour que quand le fichier off va être chargé par MZ2 pour les bus qui supportent bien sûr le K++ PC. MZ2 se dit, ah, je dois aller chercher cette texture-là et je dois l'afficher sur le bus. Voilà comment on fait. Donc tout d'abord, on récupère notre girouette en appuyant sur la petite ici, la petite flèche téléchargement. Vous n'êtes pas obligé de mettre un nom. Voilà, c'est bon. Vous enregistrez. Hop.
Vous ouvrez l'archive. Vous allez dans, vous cliquez véhicule, Hansenken, Kruger, 230, hop. Ce qui nous intéresse, c'est ceci, c'est le petit fichier .png. Ce petit fichier .png, vous le mettez ici dans Grundorf. Et vous lui donnez un nom. Vous lui donnez le nom que vous voulez, par exemple, 76 Albert. Voilà, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, bien sûr. Du moment que vous vous souvenez que ça correspond à ça, retenez bien le nom parce que c'est très important plus tard quand on va programmer le K++ dans le off. Faut pas vous gourer, je répète, Synopsis va pas trouver. Voilà, donc, comment on fait? Bah, c'est ensuite. Donc, on va maintenant programmer comment on met une girouette K++ dans le off. Pour ce faire, vous allez sur la ligne, vous réouvrez votre fichier off avec OffSuite. Vous allez sur la ligne Kruger Texture, vous tapez le nom du dossier où se trouve votre Kruger, donc nous c'est Grundorf. Et vous mettez le nom de la girouette, nous c'est 76 Albert, comme ceci, voilà. N'oubliez pas non plus de préciser que c'est en PNG, sinon ça ne va pas se charger. Voilà. Donc on va faire ça ensuite pour les autres girouettes, comme ça je vous montre toutes les façons de faire du Kruger K++, que ce soit via le site kppjena.ch ou à la main avec pen.net. Voilà. La girouette suivante, c'est Krankenhaus. Donc, Krankenhaus, je vous explique comment on met les petits logos hôpitaux. C'est très simple. Donc, voilà, on tape Krankenhaus. Comme ceci. Voilà. Pour taper Krankenhaus. Et vont va mettre. On va attendre un petit peu, voir si les gens ont des questions avant de continuer. Ah oui, c'est vrai, je m'emporte. Désolé. Je suis tellement plongé dans mon explication que. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de faire maintenant, n'hésitez pas. Là. Vous venez de créer votre première girouette K++. Donc, avant de continuer pour la deuxième avec Krankenhaus, j'écoute vos questions si vous en avez. Voilà. Si vous avez mal compris quelque chose, dites-le moi, je vous le réexplique. Voilà. Attends un petit peu, effectivement. Parce qu'il y a un petit décalage. Ouais, je sais, il y a à peu près entre 15 à 20 secondes de décalage, je crois. N'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question par rapport à ce que je viens de faire ou sur autre chose par rapport au fichier off. Oui. Pour le moment, on vous montre comment faire une girouette Kruger classique. Après, on va vous montrer comment voilà, ajouter c'est ce que j'allais dire. En pause ou un dépôt ou ouais, quoi. Attends, ou Keolis, comme celui qui a demandé tout à l'heure. Oui, on va faire le K++ Keolis, ne vous inquiétez pas. On va aussi faire le K++ masque, tout ce que vous voulez, ne vous inquiétez pas. Là, c'est le K++ basique de ces basiques. Voilà, c'est la girouette élémentaire. On a le temps pour voir les commentaires. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Le chat est là pour ça. Mais sachez qu'entre le moment où vous posez la question sur le chat et le moment où nous, on y répond, il y a entre 10 à 20 secondes de décalage. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, voilà. Bon, on va attendre un petit peu, voir si les gens n'ont pas de questions, et après on va continuer le tuto. Ok, ici, au niveau. Bon, à part YouTube me dit ici qu'il y a un léger manque en termes d'envoi pour le bitrate, mais sinon tout va bien, il dit. C'est bon. OBS c'est bon. YouTube c'est bon, tout est bon donc. Voilà, et eh bien je vois que personne n'a de questions, donc on va continuer le tuto alors. Donc maintenant on va attaquer une girouette K++ avec un petit logo. Alors, il faut savoir que sur le site kpp.genève.ch, on n'a pas beaucoup de logos. Voilà, on n'a vraiment que des logos, je vais dire, passe-partout. Par exemple, le logo avec la gare, qui rajoute un petit train, avec l'EPR, qui rajoute un logo pour faire des parkings relais, le logo avec le RER, ça peut être pas mal si vous faites une map qui se passe en Ile-de-France, le logo pour le tram,
le logo pour le métro, le logo pour l'aéroport, qui est plutôt stylé, on va pas se mentir, le logo pour l'hôpital, qui est celui qui nous intéresse, mais bon, je vous montre encore le dernier logo, le P. Ça, le P, je sais pas ce que ça veut dire, je crois que c'est pour parking, si je dis pas de bêtises. Et enfin, le logo SEO pour vos lignes scolaires. Mais nous, comme c'est une ligne qui va à l'hôpital, on prend le petit machin hôpital. Voilà. Alors oui, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais vous pouvez choisir d'enlever ou pas l'afficheur ici, le numéro de ligne, en cliquant sur Show Line. Voilà, bon, lui, il a pas envie de fonctionner. Quand tu veux. Oui, ça arrive parfois qu'il y a des micro-bugs comme ça. Bon, après, c'est pas grave. Après, je vais regarder pour faire un copier-coller, pour récupérer le truc. Voilà. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Hôpital, voilà. Comme ça, on enregistre. Et on récupère ce qu'on a fait. On va dans notre téléchargement. Off. Non, s'il te plaît. Non, je vais cacher le misclic. Véhicule, Handgun, Kruger, 230-32. Hop. Et on récupère notre petit fichier. On le met dans notre dossier qui correspond au nom de notre map. Qui, je rappelle, doit se trouver ici. Unzengen Kruger 232, 230x32, pardon, nom de votre map. Vous renommez, vous mettez par exemple, 76 Kranken. Voilà. Hop. Vous retournez dans le off-suite. Il est où? Ici. Vous mettez le nom de la map. Et vous mettez le nom du fichier à charger. Voilà. Et on fait. Boernorf, ouais, je pourrais le mettre aussi. On va le mettre plus tard. Bon. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de girouette qu'on ne peut pas faire avec k++.g9.ch. Là, c'est un exemple de girouette qu'il faut faire avec du paint.net via un template previous effet. Je vous invite à télécharger paint.net dans la description si vous ne l'avez pas. Si vous l'avez, eh bien, on va pouvoir continuer ce tutoriel. Voilà, je vais chercher mon petit template k++ parce que je ne l'ai plus. Parce que ça va nous rendre utile. Hop. Black. Hop, voilà. Donc, normalement, vous avez récupéré le petit template K++ que je vous ai mis ici. C'est en BMP, mais je vais vous montrer comment le convertir en format PNG pour OMSI 2. Voilà, voilà. Donc, en gros, ce que nous allons faire maintenant ici, je vous explique ce qu'on va faire. Eh bien, on va faire une girouette ou à la main. Parce que cette girouette à la main, c'est parce que parfois, avec appgn9.ch, on peut pas faire ce qu'on veut avec ce logiciel. On ne peut pas, par exemple, mettre des logos spécifiques ou des afficheurs spécifiques. Voilà. Donc, pour ce faire, vous ouvrez le petit template.bmp avec paint.net ou GIMP ou le logiciel que vous voulez. Mais je vous recommande paint.net parce que c'est plus simple à utiliser. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. Ça diffuse encore? Voilà, c'est bon. Je vais vérifier juste si ça répond. Donc, pour ajouter donc votre texte, c'est simplement l'outil texte de paint.net. Voilà, donc texte. Lac. Nous, on va mettre la girouette pas en service. Voilà, vous tapez votre texte, pas en service. Alors, je sais très bien que cette police n'est vraiment pas belle. Vous pouvez mettre une autre. Hein. Voilà, après, je vous dis, je ne suis pas un expert en police d'afficheur. Il paraît que Segway, oui, ça passe bien. Il y a Montserra aussi, il me semble, qui passe bien en police. Bon, faites des tests. Hein. Vous cherchez un petit peu une police qui vous plaît bien et qui passe bien, on va dire. Par contre, moi, il faut que je te laisse parce que demain, j'y cours. Désolé, je vous laisse. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Sans, il y aura une rediffusion, donc. Bah, j'ai regardé justement, donc bonne soirée. Ok, pas de souci. Voilà, on va mettre ça comme ça, c'est très bien. Hop. Et pas en service. Voilà, voilà. 12. On la laisse comme ça. Je sais, c'est pas très beau, mais c'est pour le tutoriel. Vous nommez votre fichier, vous lui donnez par exemple, nous c'est pas en PAS pour pas en service. Hop. .png. Vous l'exportez sur le bureau. Hop. On le récupère. On le met dans son dossier. Hop. On dit au off suite qui se trouve là. Hop, dans ps.png. Et voilà. Voilà comment on fait une girouette Kruger à la main. Et
Voilà, donc maintenant, on va écourter un petit peu le tuto parce que je pense qu'avec l'heure qu'il est, il y a beaucoup de gens qui vont nous quitter parce que demain c'est les cours. Donc je vais écourter un petit peu le tuto et on va passer directement aux girouettes alternantes. Donc pour la girouette alternante, on va pas faire quelque chose de bien dingue. On va juste mettre, par exemple, via Boernorf, non, via Einstendorf, voilà. On tape ça. Voilà, je sais, c'est pas très joli, mais c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on fait. Vous téléchargez la livrée, enfin la girouette, pardon. Hop. On récupère comme d'habitude le petit K++, comme on vous a commencé à avoir l'habitude à faire. Hop. Vous mettez dans le dossier. Clac. Vous lui donnez un nom. Nous, c'est 76 via Einstein. Einstein, voilà, on va comprendre. Et ensuite, vous ajoutez une girouette en plus en dessous de l'autre. Je m'explique. Donc, vous tapez plus. Nous, on va le mettre ici à côté dans Kranken House. On va lui mettre via Einstein. Voilà, vous tapez ce que vous voulez ici. En fait, la méthode là, c'est pas que pour le K++, ça va aussi fonctionner avec d'autres bus qui ne gèrent pas le K++ pour que vous ayez l'alternance en fait. La Russobus, la police collective est pas mal pour les girouettes à trouver sur le net. J'y jeterai un petit coup d'œil, t'inquiète. J'y jeterai un petit coup d'œil après cette police là. Voilà. Donc, comme je disais, dans Kruger, vous donnez le nom. Par exemple, nous, c'est, elle s'appelle Via Enste. C'est pour vous montrer. Ah, non, par contre, Via Enste, il est tout attaché. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, vous avez vu comment on fait un off-suite. Enfin, qu'on fait en fait K++. Maintenant, je vous explique comment on fait des girouettes qui alternent. Là, par contre, off-suite ne peut pas nous aider là-dessus. Il faut qu'on fasse ça manuellement. Je vous montre. Où est-ce que tu m'as mis Grundorf, toi? Est-ce que c'est le bon fichier que tu m'as exporté? Oui, c'est lui. Voilà. Par contre, je vais renommer les numéros en 100, 200 et 300. Ce sera plus simple pour notre exercice. 101, 102. Attendez. Hop. 103, 104, 105 et 106. Donc, pour faire une girouette qui alterne en même temps qu'une girouette de base, vous devez juste rajouter, vous devez copier la girouette précédente. Attendez, je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Vous devez simplement rajouter à 1, comme ceci. Donc, ça veut dire ainsi que la girouette ici, via Einstein machin chouette, va suivre après la girouette 101 ici. Donc, si par exemple votre code c'est le 102, vous jetez 1, ça fait 1102. Si c'est le 103, ça fait 1103, et ainsi de suite. Si vous voulez rajouter encore d'autres alternances, parce que techniquement, vous pouvez monter jusque 9 alternances sur MC2. Donc là, après, vous mettez un 2 à la place du 1, puis un 3 si vous pouvez une troisième, et ainsi de suite. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble in-game. Parce que je vois que tout le monde s'en va maintenant, bah, je peux comprendre qu'il n'y a plus personne. Voilà. Allez, s'il te plaît, bug pas. Voilà, donc on va tester ça en jeu. Normalement, ça fonctionne. Donc, j'ai C2. Bon, on va prendre le C2 de GPM, hein, ça suffira largement pour notre exercice. Hop. N'a pas besoin de prendre autre chose qu'un bus, de toute façon il gère déjà, c'est un bus qui gère déjà le K++, donc voilà, c'est pas nécessaire d'aller plus loin. Comme ça, alors comme ça, si vous avez déjà le DLT Grand Paris-Molon, vous avez déjà 4 bus qui gèrent le K++. Le C2, le C2 interurbain et urbain, le GX327 et les deux MAN. Je veux dire 4 bus qui gèrent le K++. Si vous avez Saint-Servant, vous avez le Citélis et le MAN articulé CNG en plus, déjà 6 bus. Et il y a encore plein de bus qui gèrent le K++ sur MZ2. Il y a le E-Citaro, il y a le Cetra 415NF V2, les Vanol du DLC Doppelgänger Bus. Mais là, vous devez télécharger via le site de Busmaton le mode. Qu'est-ce qu'il y a encore qui gère le K++? L'Agora L de The Ephemer gère le K++ aussi. Apparemment, l'Agora S aussi gérerait le K++. À confirmer, ça j'ai pas testé, mais sur le L, ça fonctionne. Voilà. Donc en attendant, comme ces deux se chargent, dites-moi un petit peu si vous avez des questions par rapport aux manipulations qu'on a fait jusqu'à présent. Que ce jeu est parfois très long à charger. Voilà.
La petite question, Rousseaubus, la police, la collective que tu me parles, on peut la trouver sur Dafont? C'est le fameux site où on avait toutes les prises d'écriture. Alors évidemment, vous devez répéter les étapes qu'on a fait à chaque ligne de girouette de votre fichier off, hein, je précise bien. Voilà. C'est long. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très long, qui peut prendre du temps. Si on va ajouter un logo. Ah, j'ai oublié de le montrer ça. Ah, je vais vous montrer après comment on fait. J'ai oublié de vous montrer, désolé, excusez-moi, je vais vous montrer ça après. En fait, pour ajouter un logo, si tu veux, tu cliques. En fait, il faut que déjà tu télécharges ton image. Tu fais un clic droit copier. Tu vas sur paint.net, édition, coller autant que nouveau calque. Et après, avec les petits ronds sur le côté, tu peux ajuster l'image. Et je vais vous montrer après comment on fait. Hein. Là, je vous montre déjà ce que ça donne avec ce qu'on a déjà fait sur le off. Il est là, c'est bon, il a chargé. Je vais mettre la claque. Alors, pour mettre un logo, c'est très très simple, vous allez voir. Et c'est pour ça qu'il faut savoir, je pense, maîtriser les deux façons de faire un K++ sur OMC2. Soit via, comme j'ai dit, kpp.genal.ch, pour faire, on va dire, les générales avec numéro de la ligne, tu vas à tel endroit, voilà, pour 80% des girouettes, on va dire. Et la méthode, j'ai dit, je vais dire à la main, manuscrite, où là tu dois mettre toi-même les logos, les affichages, tout ça. Avant que j'oublie, avant qu'on... Ah oui, il y a certaines personnes qui ont peut-être le logiciel Helen, le logiciel qui permet de concevoir les girouettes pour tout ce qui est girouette turnover. Ça fonctionne aussi sur OMC2, eh oui, mais c'est tout un processus à suivre. Je ne vais pas en détailler là-dedans parce que c'est assez long. Je crois que c'était celle de la Crankenhaus. Voilà. Avant, ça devrait afficher les choses. Et voilà! Ah, il n'a pas pris le truc. Mais vous avez vu qu'il y a bien une alternance. Regardez. Il y a bien une alternance, mais à mon avis, c'est parce que Offsuite n'a mal compris. On va charger l'image, attendez. Voilà, comme ça vous avez vu comment on fait des K++ pour les vues sur OMC2. Vous voyez, c'est très simple. C'est un peu long en fonction de la map que vous faites, mais c'est possible. Ah, il est où? Kondorf. Voilà. Alors, comment il s'appelle? Via Ernst. Peut-être mal écrit la girouette, c'est possible. Kondorf. Ah oui, j'ai oublié le 76. Ah oui, je vous avais dit, il faut souvent vérifier. Hein. Il faut souvent vérifier que vous n'êtes pas gouré dans l'orthographe parce que il peut vous faire des farces, on me dit. Voilà. Donc, je répète pour ceux qui viennent de se connecter et qui n'ont pas compris pour les girouettes alternantes, il suffit de rajouter à 1 à côté de la girouette. Donc, ce petit chiffre, ça dit, on me dit, hop, tu m'alternes sur ce que je t'ai mis. Vous mettez un 2, c'est 2 alternances. 3, c'est 3 alternances, et ainsi de suite, jusque 9. Oui, on peut alterner jusque 9 girouettes sur OMZ2. Bon, déjà, je vois pas trop comment vous pouvez mettre 9 girouettes différentes, mais bon, on va dire que c'est possible. Voilà. On va en profiter également pour mettre l'alternance sur l'autre. Hop. Voilà. Comme ça, OMZ va comprendre qu'il doit mettre les 2 alternances. Moi, il me l'a mis à jour sur le dossier. Je vais vérifier. Hop, on va le mettre dans l'autre par précaution. Clac. Tu me l'as bien mis. Tu m'as bien enregistré mes modifs. Parfait. Tu m'as enregistré mes modifs. Voilà. Parce que parfois, on me dit, t'es un grand petit farceur. Si vous ne tapez pas exactement comme c'est censé être tapé, il vous embête. Pour rester poli. Voilà, comme ça, avec ce que je vous ai montré aujourd'hui dans ce stream de presque 1 h 30 quand même, vous savez comment faire un off et un off K++ avec de belles girouettes couleurs, les trucs qui alternent et tout. Comme ça, si vous voulez en faire pour les maps que vous aimez bien, vos maps préférées, vous savez comment on fait. Par contre, il faut savoir que c'est très chronophage. Parce que d'ailleurs, pour la petite info, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un off K++ d'une map qui s'appelle Bourdenham V4. J'avais 120 girouettes à mettre en K++. Ça m'a pris un temps fou, mais bon. D'ailleurs, ce off K++ là, je pense que je vais vous l'uploader pour les gens qui roulent sur cette superbe map anglaise. À conduite à l'européenne, hein, je précise.
Frankenhaus, voilà. On va voir si maintenant c'est bon. Voilà, déjà c'est bien aussi. Ah! Tu l'as bien mis comme je te l'ai dit. Voilà, mais normalement, sachez que si c'est bien écrit comme sur le nom de votre... Oh, je vais expliquer parce que c'est plus explicite. Voilà, donc en gros, offsuite, tout ce que tu as mis, mon petit offsuite. Voilà, donc en gros, vous devez écrire exactement comme c'est écrit dans votre dossier parce que sinon, Obzi va vous casser les bonbons là-dessus. Voilà, attendez, il faut peut-être que je le relance, Obzi. Peut-être que je relance le jeu. Attendez, bah, c'est un truc. Alors, oui, Dylan Vaquet, je sais que je dois utiliser ce fichier-là. Que je dois utiliser le truc en haut à gauche du bus. Mais là, en fait, je passe avec l'affichage de girouette manuel. C'est pour moi tester les afficheurs, en fait. Voilà. C'est juste une histoire de gagner un peu de temps. Pas enfin, gagner du temps. Voilà. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant, je suis en train de vous expliquer comment on fait l'alternance et les K++. Voilà à quoi ça ressemble un petit peu le off K++ de ma map Avelia. Regardez, c'est un gros bordel. Mais en gros, tout ça, ça vous permet d'avoir jusque deux alternances sur ma map, sur les bus qu'il supporte. Ou alors, par exemple, avec GPM aussi. GPM aussi, c'est pas mal aussi niveau... GPM, c'est même pire, regardez. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble off K++ pour GPM. Voilà. Après, il utilise certaines fonctionnalités que je ne savais pas que c'était possible, mais bon. Bon, tu me lances, on me dit. Mais sachez qu'en gros, le off de GPM, c'est fait exactement de la même façon que je vous ai montré ici. C'est juste que dans le cas de GPM, il y a beaucoup de choses à mettre, voilà, parce que lui, il a fait des dossiers avec des sous-dossiers. Oui, Dylan Vaquet, je sais très bien que sur les bus de GPM, c'est au-dessus du tableau de bord, t'en fais pas. C'est juste que moi, je tape directement le nombre de E, tu vois, pour avoir directement les girouettes qui m'intéressent. Voilà. Bon, tu m'aimes, Léonzi. Ça y est, il se met. Voilà, comme ça vous savez que le off K++ c'est pas si compliqué qu'on le prétend. C'est juste une question de pratique, j'ai envie de dire. Et il y a que certains bus, je connais pas la liste précisément de tous les bus qui le supportent, qui permettent de les avoir en fait. Donc, à ma connaissance, les bus qui gèrent le K++ en dehors d'un mode, il y a les bus de GPM, les bus de Saint-Servant, l'Agora d'Horizon, l'Agora L de The FMR qui le gère aussi. L'Agora S aussi, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme bus qui fait le K++? Alors, techniquement, il y a le Line City A21 de V3D qui le gérerait de base, mais moi, j'ai des bugs avec. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme véhicule concerné? Je ne sais plus. Il y avait encore plein de véhicules. Et évidemment, tous les bus où il y a eu un mode K++ qui est sorti dessus sont bien entendu compatibles. Donc, voilà. Mais bon. Déjà, si vous avez la map GPM, vous avez déjà 4 bus compatibles avec le K++, donc voilà. Entièrement compatible avec tous les fichiers off K++ qui existent. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt dans ce live, je vous ai juste montré les girouettes alternantes. Je ne vous ai pas montré les girouettes défilantes. Parce que les défilantes, c'est ce qui va de droite à gauche. Comme on se connaît sur certains bus parisiens en fait. Ou de gauche à droite, les défilantes aussi. Mais je sais, si je me souviens bien, sur le pack de Vanol, il y avait une petite animation quand le Vanol changeait, alternait entre des girouettes. Il y avait une petite animation avec les pastilles, c'était stylé. Mais pour la petite info, avant que j'oublie, même si votre bus n'est pas K++ PC, le off K++ va quand même faire l'alternance. Obzi va quand même comprendre qu'il faut alterner les girouettes, en fait. Voilà, il va les faire. Bon, vous n'aurez pas des belles girouettes colorées, puisque oui, il va se baser sur... que vous avez tapé tout au début du off, mais bon, vous allez quand même avoir la bonne destination, ben les bonnes destinations que vous avez encodées, et Obzi2, il va tout faire comme un grand. Voilà, donc, allez, charge, s'il te plaît.
Allez. Ah bah je savais pas qu'on pouvait prendre ce bus-là sur le sur la Shuttle H. Bon, moi je le saurais. D'ailleurs, pour la petite info, tant que ça charge, je ne sais pas si vous savez qu'il y a le pack de CD de Nick qui est également en développement, qui va arriver bientôt. Donc, si jamais vous aimez les Star Wars CD2, bah, je pense que vous allez adorer ce pack. Il y a aussi le pack avec les nouveaux Line City qui sont juste incroyablement beaux. Bah, moi, il m'intéresse beaucoup. Donc, voilà, donc normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, il a bien mis à jour le fichier. Voilà. Il a bien mis à jour le fichier off. Quand tu veux. Ah! Weston, il n'a pas chargé le bon truc. Lol. Ah, il fait quand même l'alternance. Il n'a pas chargé le K++, mais il fait quand même l'alternance. Ok. D'accord. Ça, c'est marrant, ça. Alors, ça, c'est la première fois que j'ai ça, parce que d'habitude. Il me charge bien les bons fichiers texture K++. Bon, faites pas attention au H, hein. Ah, si, ça y est. Là, il l'a chargé. Voilà. Là, il l'a chargé. Ici, il l'a chargé. Voilà. Voilà, une petite alternance ici. Bon, évidemment, il faudra recadrer un petit peu tout ça. Il faudra un petit peu peaufiner. Mais le concept, il est là, bien sûr. Voilà. Donc, si, je vais vous expliquer comment on fait l'alternance. Donc, pour faire l'alternance, c'est très très simple. Vous avez ici, par exemple, votre numéro de ligne s'appelle la 101. Eh bien, pour faire une alternance, vous copiez ça, ou vous tapez une nouvelle destination, dans le off suite ou dans le off, et vous renommez le numéro ici. Vous devez avoir ici 1101. Voilà. L'alternance, en fait, c'est ça. Vous rajoutez juste ça. Ou si vous voulez mettre une deuxième alternance, vous mettez 2101, puis 3101, puis 4101, ainsi de suite. Pour la girouette 102, vous mettez 1102 ou 21,02, 31,02, et ainsi de suite. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait une alternance sur le K++. Et en plus, c'est stylé. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, comme ça, vous avez vu. Alors, comme ça, aujourd'hui, en ce live, vous avez vu comment on crée un fichier off tout basique, tout simple, tout propre, avec vos girouettes personnalisées. Vous avez vu comment on fait des K++, comment on les programme, comment on fait l'alternance de girouettes, en K++ ou sans K++. Je vais vous expliquer comment on fait l'alternance du prochain arrêt dans les bus qui ne sont pas équipés d'écran, mais l'espèce de petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, le SAUIV que vous avez à l'intérieur, ça va alterner tout seul. Voilà. Et enfin, je vous ai donné quelques petits tips pour programmer vos routes dans le off-suite. Je vous ai expliqué également comment on importe une map. Pour les gens qui nous rejoignent en cours de route, je vous renvoie au début de ce live. Enfin, voilà, de toute façon. Le live va être redisponible dans la chaîne dans les prochaines heures. Normalement, YouTube ne traîne pas trop, c'est généralement disponible dans les quelques heures qui suivent la fin du stream. Donc voilà, donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En plus, c'est plutôt stylé. Allez, petit bonus de fin de vidéo pour remercier les personnes qui sont là sur ce stream. Voilà, pour remercier toutes les personnes qui ont suivi ce stream jusque-là. Je me permets de vous montrer à quoi ça ressemble trois alternances sur MZ2 avec un bus. Et je vais reprendre mon fichier off pour ma map, pour montrer à quoi ça ressemble, et pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire avec trois alternances sur MZ2. Là, vous avez vu vous avez vu une seule alternance. Moi, j'en ai mis deux. Bon, on va prendre cette girouette-là, ça suffira largement. Adélia, clac. Ça suffira largement, cette livrée. Bon, je sais très bien que c'est pas réaliste ce que tu veux, mais c'est pour nos expériences. Voilà. Donc, par exemple, on va prendre la girouette, celle-ci, la 51. Enfin, pas la 51 parce que j'ai un bug ici. Ah, ici, celle-ci, pardon. Voilà. Voilà à quoi ressemble le K++, par exemple, pour Avelia, par exemple. Ce qu'on peut faire avec. Voilà. Voilà un exemple de ce que vous pouvez faire avec deux alternances sur le K++. Alors, on pouvait monter jusque 9, mais je pense qu'à partir d'un moment, on me dit, qu'est-ce que tu veux? Il perd un peu les pédales, il comprend pas trop ce qu'il doit faire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi?
Donc oui, évidemment, si vous voulez le OFK++ de Avelia, il est sur le wet disk, hein, si vous souhaitez le télécharger. Il y a par exemple la girouette pause aussi. Alors la girouette pause, ça c'est le genre de girouette que vous devez faire manuellement en dehors sur avec le template. Voilà. Bon, évidemment, vous pouvez constater que il y a un petit défaut ici, mais bon, ça c'est, j'ai pas encore trouvé comment corriger. Qu'est-ce qu'il y avait comme girouette qui rendrait bien aussi? Voilà. Allez, une dernière petite girouette K++ pour la route. Et voilà. Regardez comment ça claque, hein. Les K++ quand même. Hein. Ce qu'on peut faire dessus, c'est ouf. Bon oui, je sais, c'est pas réaliste une girouette texte sur un bus IDFM, je sais très bien. Je sais que certains vont dire, voilà quoi, techniquement c'est pas réaliste, on s'en fout du tech, hein, c'est Île-de-France, tu mets pas un truc du logo tech sur Île-de-France. Oui, je sais très très bien. Je sais très très bien ce que je fais, je sais très bien que ça n'a aucun sens, pas de souci. Je fais des tests. Voilà. C'est juste pour montrer, et c'est parce qu'il n'y a pas de livret texte sur le bus, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà. Alors oui, Freddy Fred, à partir de 5, c'est trop. Je confirme. Voilà. Tac, tac. Alors, petite précision pour vos K++. Vous devez toujours mettre vos K++ dans le dossier Vehicle, Handzeigen, Kruger, 230 x 32. Et vous donnez un nom au dossier, le nom de votre map, et vous mettez tous vos K++ dedans. Parce que, en fait, dans le off-suite, on a vu tout à l'heure, vous devez mettre l'endroit où se trouve la texture à charger pour OMSI, en fait. C'est juste ça. Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais je ne sais pas comment on fait les girouettes défilantes, hein, qui passent sur le côté, comme ça, sur la 06B. Ça, je ne sais pas du tout comment on fait. Ça doit. Mais par contre, j'ai remarqué que c'était propre à ce véhicule. C'est dans les scripts. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, voilà. Eh bien, je vais encore rester encore quelques petites minutes avec vous en stream pour répondre si vous avez des questions. N'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait maintenant, ou si vous souhaitez une réexplication de quelque chose, n'hésitez pas, je suis encore avec vous pendant quelques minutes pour répondre à vos interrogations. Voilà. D'ailleurs, dites-moi un petit peu dans le chat si vous souhaitez que je vous uploade le petit fichier Grundorf qu'on a fait aujourd'hui dans cette soirée. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment c'est structuré, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Dites-moi un petit peu dans le chat ce que vous en pensez. Par contre, le jeu est fait, ça n'a aucun putain de sens. On va mettre un truc plus adapté, genre. Ça, c'est pas mal. Faites pas attention, logique, il déborde un peu. Voilà, ça, c'est pas mal. Bon, évidemment, là, on ne sait pas voir le. Parce que oui, sur les bus de GPM, c'est quand vous prenez l'horaire, tout s'actualise. Donc, voilà. Mais sachez que quand vous tapez le numéro de la ligne, je vais vous montrer d'ailleurs. Ouais, bon, ça c'est un peu bordé l'écosystème. Pour les logos, par exemple, le logo du masque, tech ou autre. Ah oui, je vais vous montrer ça. Les girouettes défilantes, c'est de droite à gauche ou les deux? Alors, les défilantes, c'est les textes qui passent de droite à gauche ou de gauche à droite. Ça, c'est une défilante. Les alternances, c'est quand il fait juste un changement d'affichage, quoi. Par exemple, que ça fait, par exemple, 76 Crankenhaus, et après, ça passe sur 76 via Etzendorf, tu vois. Ça, c'est des alternances, ça. Donc, je vais vous montrer pour mettre le logo. Donc, pour mettre le logo, c'est très simple. On va reprendre un truc qu'on a déjà fait. Ce qu'il est Handzeigen, Kruger, 230.32, Grundorf. Voilà, je ne vois pas. On va peut-être ajouter un petit truc en plus. Voilà, c'est pour l'exemple. Hein. Voilà. On va mettre quoi comme logo? On va mettre par exemple le logo. Ouais. On va mettre le logo Keolis parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient bien le faire sur. Voilà, logo Keolis. On va prendre lequel? Prendre celui que tout le monde connaît, hein. Bon, oui, évidemment, c'est pour la girouette, hein. Il n'y a pas le juste le K. Comme ça, on fait un petit indice de lune avec le K dessus, ça peut être stylé. Regarde, on va faire un truc qui est stylé, regardez. K, où est-ce que tu es? Ah, voilà, te voilà. Donc, comment on fait pour récupérer l'image? Vous faites clic droit, enregistrer l'image sous. Vous mettez sur le bureau. Vous ouvrez cette image avec paint.net parce que nous allons appliquer ce qu'on appelle de la transparence. Donc la transparence, c'est pour permettre ainsi de pouvoir le mettre où vous voulez en fait. Voilà. Vous allez sur la petite baguette magique ici. Voilà. Vous cliquez. Édition.
effacer la sélection. Voilà. Vous faites fichier enregistré sous en format PNG. Et voilà. Comme ça, vous avez déjà une partie de, va dire, l'image. Et comme ça, vous pouvez le passer comme vous voulez. Je vais vous montrer. Donc, pour supprimer ce qui ne vous plaît pas, vous faites outils, rectangle, clic gauche enfoncé et vous déplacez. Quand vous avez pris la zone, faites delete. On refait pareil. Pour remettre toute la zone en noir, vous allez sur pot de peinture, noir, hop, et voilà. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le logo K ici, le logo de Keolis ici. Vous allez voir, on fait un truc stylé. Donc, clic droit, copier, édition, coller dans un nouveau calque, ne pas modifier. C'est normal si ça dépasse du cadre. Donc voilà, vous faites un petit dézoom. Un petit dézoom comme ceci. Alors, je vous invite ensuite à cliquer sur la petite touche au-dessus de la touche Ctrl. Et en garder votre doigt sur le clic enfoncé. Ça va permettre ainsi d'avoir un logo qui est bien reproportionné. Pour éviter qu'il soit tout pixelisé et qu'on dirait que c'est pris un mur. Voilà. Oui, là, vous inquiétez pas, ça a l'air un peu pixelisé, mais c'est normal. Parce que là, c'est extrêmement zoomé. Ah, j'aurais pu faire un copier, attendez. Parce que c'est la tête, édition, copier, coller. Hop, voilà. Là, on a dupliqué le petit cadre du logo Keolis. On fait PNG, on le toujours. Voilà. Et ensuite, on va venir ajouter le reste du logo Keolis. Non, on va mettre le nouveau. Ouais, celui-là, il est pas mal. Enregistré sous, clac. Oui, il est ici en bas, c'est normal. Clac. Une fois de plus, l'outil baguette magique pour permettre d'avoir la transparence. Édition, effacer la sélection. Vous pouvez sélectionner plusieurs jaunes en appuyant sur la petite touche au-dessus de Ctrl. Hop. Comme ça sélectionne plusieurs endroits à la fois. Hop. On enregistre en PNG. Comme ceci. Voilà. Et là maintenant, on récupère ce fichier. Alors dites-moi si je vais trop vite dans le chat, hein. Que je me rends pas compte parce que moi j'ai l'habitude, donc moi c'est du on dézoome, c'est normal. Hop, clac, on réadapte et voilà. Bon, évidemment, vous pouvez le proportionner un peu mieux que moi, mais c'est pour vous montrer comment on fait. Hein. Voilà, bouger un petit peu sur les espèces de petites boules sous le côté, édition, copier. Comme ça, on a déjà un logo qui a bien été reproportionné et voilà. Vous avez une belle petite girouette Keolis. Voilà. Je vais vous montrer comment ça rend dans le jeu. La girouette s'appelle Pass, donc voilà. Hop. On ouvre mes yeux. Et comme ça, ainsi, vous avez vu comment on fait les différentes façons de faire un K++. La méthode simple. Ah donc, je récapitule. Méthode simple avec kpp.genave.ch, ça c'est, on va dire, les 80% des girouettes, indice de ligne, numéro, clac, c'est parti. La méthode à la main, avec pen.net, où là c'est, vous devez utiliser par exemple le template que je vous ai mis dans la description. Là sur ce template, vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez, vous pouvez taper ce que vous voulez, vous pouvez mettre les logos que vous voulez, vous faire plaisir en ajoutant des images via des calques, ce que vous voulez, et après vous allez pouvoir importer ça sur Omzi. Voilà, donc en gros, comme ça, vous avez appris les deux façons de faire du K++. Je vous ai montré l'alternance. Voilà. Donc, pour tout résumer ce qu'on a vu ce soir, on a vu comment créer un fichier off tout simple à partir de zéro. On a vu comment faire du K++ avec des K++ générés automatiquement et faits à la main. On a vu comment faire des alternances de girouettes. Alors par contre, les alternances de girouettes, ça fonctionnera aussi bien avec que sans K++, ça fonctionne de la même façon. Donc, vous allez pouvoir faire des girouettes alternantes, sur les bus du pack Van Hall. Ouais, vous pouvez faire ça sur les bus du pack Van Hall, et certainement aussi sur d'autres bus, mais j'ai pas testé. Voilà. Comme ça, vous avez appris, je pense, pratiquement tout ce qu'il y avait à savoir sur les fichiers off. Après, il y a quelques petites subtilités que j'ai peut-être pas abordées, parce que je maîtrise pas ces subtilités, mais bon, vous avez appris, je vais dire, le principal. Je sais que sur Saint-Servant, il me semble, dans son fichier off, il a fait un truc pour que quand vous arrivez à l'arrêt, ça fait prochain arrêt, je ne sais plus quoi, destination, je ne sais plus quoi. Ouais, je ne sais plus comment il avait fait. Voilà, voilà. Mais en tout cas, c'est des fonctionnalités assez avancées, j'ai pas compris comment ça fonctionne.
Donc voilà. Mais il me semble que sur les agora de Zoo Éphémère, il y avait une fonction où vous pouvez, où vous pouviez dire au off, je veux que tu charges les annonces vocales là, mais j'ai pas compris comment ça fonctionne. Donc, Richard Chill, se pourrait me réexpliquer concernant la création du Red, fin, le début pour l'affichage et le petit affichage intérieur, prochain arrêt si c'est nécessaire de le faire. Pour les arrêts, alors pour les arrêts, tu peux juste mettre le nom de l'arrêt, ça suffit largement, tu vois. Mais, alors pour les girouettes, pour te expliquer tous les girouettes depuis le début, c'est ça, Richard Shield, que tu me demandes. J'ai pas compris ton message, en fait. Pour te expliquer toute la partie création du off, là, et les girouettes, là, ça, j'explique ça au début du live, tu vois. Ça va être un peu long de tout te réexpliquer. Voilà. Ou si tu veux que je te réexplique comment on crée un K++, peut-être. N'hésite pas, moi je bois un coup pendant que... Si tu veux bien charger, on me dit s'il te plaît, merci. Ah, saleté de siège. Ouais, parce que je vous explique, j'ai le... Comment ça s'appelle? Espèce de petite poignée droite de mon siège qui est en train de se barrer. Et à chaque fois, je dois remettre la vis dedans pour éviter qu'il se barre. Bon, c'est un siège qui a quelques années au compteur, donc bon. Pour ça que vous entendez un... Je sais pas si vous avez entendu le bruit de fond. Voilà. Freddy Fred, hâte d'avoir un tuto pour la création de lignes. Oui, ça, alors ça par contre, pour la création de lignes, ça va rejoindre le Cro Live tutoriel sur l'éditeur. Voilà, parce que je vais tout faire en une fois. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça vous avez toutes les réponses. Vous voyez l'éditeur de A à Z pour les fonctions principales. Bon, évidemment, il y a certaines choses que, comment je veux dire, que je vais pas aborder dans mon tutoriel sur l'éditeur. Par exemple, tout ce qui est fonction chronologie. Parce que oui, sur OMSI 2, vous pouvez dire OMSI que à telle date, il va se passer telle chose dans le jeu. Il va y avoir tel événement, telle chose, tu vois. Il me semble qu'on peut programmer des déviations aussi, comme ça. C'est le cas de Saint-Servant. Sur Saint-Servant, vous avez un système de déviation avec la chronologie, il me semble. J'ai pas compris comment il fonctionne. Je ne parlerai peut-être pas de comment on importe Google Maps sur l'éditeur parce que je m'en suis jamais servi, vu que moi, je ne fais pas de map réelle, je fais que des maps fictives, donc ça m'a jamais servi. Mais j'avais vu un excellent tuto à ce sujet sur Vtrans. Donc voilà, je vous conseille. Il est sur vtrans.fr, sur le forum, dans l'onglet tutoriel, il me semble. Ils ont fait un tuto sur comment tu peux importer Google Maps sur l'éditeur. Voilà, il y a plein de trucs intéressants sur ce forum. Ça vous apprend aussi comment on met des feux rouges, comment... Ça apprend plein de trucs. Comment on met les lampes, comment on configure les carrefours, plein de trucs. Voilà. Mais bon, après, je vous dis clairement, je ne vais pas faire une map intégralement avec vous. Voilà, parce que ce serait trop long. Je ne vais pas faire une map de zéro avec vous en live. Voilà. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que notre girouette qui est au liste donne. Où est-ce qu'elle est? C'était pensé à lui, je crois. Ah, Houston, il y a eu un bug d'affichage. Ça se produit parfois. Des fois, les girouettes partent un peu en couille, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est normal que la girouette pause est en orange parce qu'on n'a pas programmé. Hop et hop. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça. Bon, écoutez, je vais encore rester un petit peu. Il reste, allez, dans 10 minutes, il est 23h, donc ça va. Ça me laisse le temps de répondre à vos dernières questions avant de terminer le stream. Je pense que 2 heures de stream sur la création de fichiers off, c'est pas mal. Voilà. Alors après, évidemment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il n'y a pas longtemps dans le stream, il y a certaines fonctionnalités que je ne maîtrise pas avec le fichier off, comme des subtilités avec Saint-Servant ou GPM. Mais bon, avec ce que vous avez appris aujourd'hui, vous avez largement assez pour faire des girouettes K++, tout ça, tout ça. Enfin, pour faire des fichiers off basiques, du K++, de l'alternance, voilà.
Vous avez tous les outils qu'il vous faut pour faire des fichiers off, voilà. Pour utiliser, je veux dire, 98% de ce que vous avez besoin d'utiliser sur MV2. Voilà. Il y a un petit peu de cosmétique accessoirement à côté. Voilà. Freddy Fred, le lien Google change tout le temps. Ah bah ça, je ne sais pas dire parce que j'utilise jamais cette fonction. Par contre, tu peux créer de nouvelles lignes sur Alevia. Alors, Alevia en live. Non, c'est Avelia, c'est pas Alevia. C'est très drôle, je sais. Voilà, mais c'est Avelia. Voilà. Alors par contre, par rapport à ça, je ne ferai pas de live sur. Comment? Je ferai pas de live sur Avelia sur l'éditeur. Voilà. Simplement parce que j'en ai pas envie, c'est tout. Voilà. Il n'y aura pas de live que je ferai sur ma map sur l'éditeur. Dralan, est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît? Tu pourrais m'expliquer qu'est-ce qui ne va pas en fait? M'expliquer un petit peu ce que tu veux que je te réexplique ou je te montre? Voilà. Dites-moi un petit peu. Allez-y, hein, profitez des 9 minutes qui vous restent pour poser vos questions. Comme ça fera 2 heures pile, comme ça. Écoutez, de toute façon, alors écoutez, si de toute façon, je reviens dans 2-3 petites minutes, le temps d'aller faire une petite pause pipi, et je vous reprends pour vos dernières questions juste après. Voilà, je vais changer, je vais mettre le truc de pause. Voilà. Je reviens dans maximum 5 minutes, je vais faire un petit pipi, je reviens tout de suite. Voilà. Ne bougez pas, j'arrive. À tout de suite. Coupez le micro, voilà. Et voilà, me revoici. Alors, le temps d'ici, ouah, nickel, tout fonctionne nickel. Non, c'est nickel, il n'y a pas de sujet qu'OBS aujourd'hui. Super. Et voilà. Ah, ça va, il n'y a pas tant de décalage que ça, quoi. Je dois avoir genre maximum 10 secondes de décalage entre ce que je dis et ce qui se passe sur le live. Voilà. Ah, attendez, j'ai vu que vous avez quelques questions. Attendez, je suis en train de regarder. Dralan, est-ce que tu pourrais m'aider s'il vous plaît? Ah oui, j'avais déjà vu ton commentaire. Jovine Malard, salut, j'ai une question. Tu pourrais faire une map de la Réunion? Non, je ne ferai pas de map réelle. Voilà, et puis de toute façon, je ne suis pas originaire de l'île de la Réunion, donc non, je ne fais pas de map réelle, désolé. Dralan, Avelia, t'as pris combien de temps? Alors, Avelia, ça m'a pris à peu près 9 mois dans son état actuel, mais c'est encore une map que je suis en train de travailler pour la prochaine version. Voilà. Je ne sais pas vous dire quand est-ce qu'elle arrivera, mais je peux vous dire que il va se passer des choses. Voilà, disons que je travaille sur une éventuelle nouvelle version, en corrigeant pas mal de petites choses à gauche à droite. Donc, voilà. Tous tes bâtiments ont été faits par quoi? SketchUp ou Blender? Alors non, j'ai modélisé aucun bâtiment.
C'est la plupart, c'est des bâtiments que j'ai qui a déjà été fait, parce que malheureusement, j'ai pas de connaissances dans la modélisation 3D, malheureusement. Donc, voilà, je connais absolument rien dans la 3D. Donc, et c'est pour ça que je ne vais pas me risquer à modéliser des bus parce que c'est beaucoup trop compliqué. Voilà, je laisse le soin à des personnes qui sont plus à l'aise de le faire, en fait, tu vois. Donc voilà, j'ai pas visité de bâtiment, mais c'est vrai, je sais pas si tu as vu, qu'il y a certains objets et certaines splines qui viennent de la map Namur. C'est une map qui est en développement et dont j'ai la chance d'être bêta tester et d'avoir l'autorisation du créateur pour utiliser ces éléments. Donc c'est pour ça que notamment les trottoirs viennent de cette map-là. Donc voilà, comme ça vous savez. Voilà. Tu les as pris où les bâtiments alors? Alors les bâtiments ils viennent d'un peu partout en fait. Donc je vais pas te mentir. Mais disons que sur une map MC2, tu as souvent des dossiers, des splines qui reviennent. Tout ce qui est UFA objet, plein de trucs comme ça revient régulièrement dans les maps OMSI parce que il y a pas mal d'objets intéressants, des bâtiments de dépôt, des supplies, des civilisations, des marques shop, plein de petits trucs, tu vois. Alors, d'un je viens de te répondre quand tu as dit c'est qui les a fait. Eh bien, il faut savoir que sur OMSI 2, il y a ce qu'on appelle des objets, des splines génériques. Donc, je dis générique parce que ce sont des choses que tu retrouves dans toutes les maps, quelle que soit la map. Même sur GPN, il y a certainement des objets comme ça. C'est tout ce qui est UFO objet, VKL Spline, Rue 2, comment ça s'appelle? Railworld, MC Rue, ces objets-là. Voilà, c'est souvent des trucs comme ça qui reviennent dans toutes les maps. Parce que, dans le cas de Building MC Rue, et de Railworld MC et Railworld Rue, c'est des éléments de base du jeu. Donc les gens réutilisent les éléments de base d'OMSI 2 pour faire leur map. C'est logique. Des fois ça passe bien. Et parfois il y a des trucs sympathiques aussi. Donc voilà. Mais bon, il faut pas trop abuser des éléments de base du jeu parce que sinon après ça donne un côté hyper lince pando au projet quoi. Voilà. Il est 22h58, ouais, ça va. Ah ben c'est bien, vous êtes encore une dizaine de personnes qui regardent le stream, c'est vraiment pas mal. Franchement, tout à l'heure j'ai regardé, on a eu un pic à 17 personnes. Waouh. Je suis agréablement surpris. Je vois quand même que les tutoriels sont dit, ça vous intéresse énormément. Donc, sur Vtrans, tu as le tuto pour Blender. Ah, je sais pas, je l'ai pas vu, j'ai pas regardé. Voilà. 22h58. Ouais, c'est pas mal. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette soirée, par rapport au fichier off, le K++, les girouettes alternantes, tout ça, tout ça. N'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Voilà. Comme ça, si vous n'avez vu qu'une partie. Alors, pour les gens qui nous rejoignent en cours de route, ne vous inquiétez pas, la rediffusion va arriver dans les prochaines heures sur la chaîne. Vous pouvez regarder ça à tête reposée, à votre aise, il n'y a pas de souci. Ça fait à peu près 2 heures de stream, comme ça vous avez toutes les explications qu'il faut. Gab Joker. Ah, j'étais pas vu ton commentaire, excuse-moi Gab Joker. Bonsoir à toi, comment ça va? Attends un peu, il me semble que Gab Joker, tu n'es pas la personne qui avait fait le premier tuto pour Avelia, il me semble. Bon, en tout cas, bonsoir à toi et bienvenue sur ce stream. Est-ce que tu peux ajouter sur Discord? Si je reçois ton invite, peut-être, je verrai bien. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que ça s'est très très bien passé aujourd'hui, ce tutoriel en live. Je referai d'autres parce que je précise qu'aujourd'hui c'était comment je veux dire, un épisode pilote, un épisode prototype, appelez ça comme vous voulez. D'autres tutoriels en live vont arriver. Ce live-ci va partir dans la playlist OMSI 2 pratique parce que c'est un tutoriel. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver tous mes tutos que j'ai fait sur OMSI 2 dans la playlist. Clic, hop, c'est parti en avant. Hop là. Mais il y en aura d'autres de tutos en live, ne vous inquiétez pas. Il y en a déjà deux ou trois dans les cartons, je crois. Il y en a un qui va être fait sur le guide de démarrage d'OMSI 2. Où là, c'est vraiment un live qui va être réservé que à ceux qui débutent sur OMSI 2. Donc ceux qui ont de l'expérience, bah écoutez, ça va vous servir à rien ce live. Donc bon, c'est vraiment pour expliquer pour les gens qui n'ont pas envie de lire le manuel ou de regarder d'autres youtubeurs. Comme ça, ils ont toutes les infos en 45 minutes de vidéo. Voilà, comme ça. Ton OMSI 2, tu sauras tout ce qu'il faut savoir et même plus de choses que d'autres youtubeurs qui font des tutos sur OMSI 2 pour t'apprendre à conduire et démarrer ne te disent pas forcément. Par exemple, comment dépanner des petites pannes que tu peux avoir parfois. Voilà, comme ça, vous allez avoir un beau petit guide
une petite heure en stream, vous allez avoir toutes les infos qu'il faut, reposer toutes vos questions, clac, vous allez voir, ça va être magique. Tu vas où sur Blender pour les tutos? Comme je dis, Dralin, je n'y connais rien en 3D, donc je me suis jamais servi de Blender, donc je ne sais pas t'aider au niveau de Blender. Donc voilà. Donc dites-vous que dans les cartons, j'ai deux tutoriels qui sont dans les cartons. Un tutoriel sur le guide de démarrage d'OMSI 2 pour les débutants, vraiment pour les débutants de chez débutants, et un gros live tutoriel sur l'éditeur. Mais là, le live sur l'éditeur, ça. Ah oui, justement. SnixX, tu feras un épisode tuto pour modifier les hélices de map. Peut-être, mais bon, ça, je pense pas que c'est nécessaire de faire un live parce que t'as pas grand-chose à dire pour modifier les fichiers hélices. Ça peut juste être une simple vidéo enregistrée, tu vois. Voilà, c'est assez simple à modifier, ça va très vite. C'est tout. Quelle heure il est 23h02. Ouais. Regarde un petit peu ce qu'il me dit YouTube. Alors je sais pas si c'est les vrais abonnés en ce moment, mais c'est déjà pas mal qu'il y ait encore autant de monde. Et oups, c'est toi. Oups. Voilà. Salut à toi, Planète Galaxie. Mais tu arrives juste au moment où le live se termine, quoi. T'as pas de bol. Voilà. Ah, papapam. Allez, comme c'est gentil. Bon, ben, je vois que vous n'avez pas d'autres questions par rapport au fichier off, au K++ ou à l'alternance des girouettes. Voilà. Si vous n'avez pas, écoutez, je crois qu'on va peut-être arrêter ce live-là. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Alors après, si je peux me permettre un petit commentaire perso sur sur certaines maps, il y a certaines maps où c'est chiant à faire le K++ Ruro V2 par exemple, parce que comment je veux dire, Ruro V2 parce qu'il y a plein de girouettes où c'est compliqué parce que t'as tous les terminus, mais tu sais pas quelle ligne va à terminus. C'est plus simple que tu mets par exemple ligne à telle, destination à telle, comme moi j'ai fait avec ma map où j'ai mis 52 à Velia. Comme ça, après, dans le suite, clac, je sais direct que je peux associer la girouette au fichier K++ direct. Je gagne du temps et ça m'évite de farfouiller dans les fichiers. Voilà. Dralan, pour les tutos sur Blender, tu dois trouver ça très facilement sur Internet. Hein. Sur YouTube, c'est pas ce qui manque. C'est un programme qui est très très répandu. Donc, salut à toi, MB Black. T'arrives juste au moment où le live va bientôt être fini. T'as pas de bol. Voilà. Changer un peu de girouette parce que tout en même. Un peu casse-couille au bout d'un moment. Voilà. Ah, ça claque quand même. Voilà. Donc, messieurs, dames, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce stream ce soir. Je pense que 2 heures de petit stream sur l'œuf, c'est pas mal. La rediffusion sera disponible dans les quelques heures qui suivent la fin ici sur YouTube. Généralement, dans les 2 ou 3 heures, ça y est, elle est là. Voilà. Comme ça, si vous vous posez des questions par rapport au fichier off, donc je répète que le fichier off, c'est le petit fichier qui permet de gérer tous les afficheurs sur les bus sur OMSI 2. Enfin, tous les afficheurs d'une map sur OMSI 2. Ça gère aussi tout ce qui est route, destination, les arrêts de bus. Et comme nous le verrons dans un autre tutoriel, ça gère aussi les annonces vocales également, puisque oui, on peut faire ses propres annonces vocales pour OMSI 2. Contrairement à d'autres jeux comme Bus Simulator 2018, où c'est les annonces vocales du jeu et c'est tout, c'est basta. Voilà. Et voilà, donc si jamais vous vouliez ça, si, pour les gens qui nous rejoignent en cours de route, ben écoutez, je vous invite à regarder le stream depuis le début, parce que voilà, c'est un stream qui s'est fait progressivement, on a commencé par un truc simple, puis on a commencé à complexifier un peu la chose, donc voilà. Malheureusement, les gens qui vous connectez, ben vous arrivez à la fin. Voilà. Donc, voilà. Et bien, sur ce, je vais vous laisser là pour ce live. J'espère que vous aurez apprécié ces 2 petites heures de live tutoriel qui ont servi en guise de test. En fait, voilà, c'est la première fois que je faisais ce genre de live sur la chaîne, un petit live tutoriel. Voilà. Donc, et bien, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve bientôt pour d'autres épisodes. Et bien, je sais plus ce que j'allais dire. Oh là là, c'est le soir. On voit que je suis fatigué. Bref, je disais donc, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres aventures. Et d'ici là, ben, portez-vous bien tout le monde.
J'espère que tout se passera bien de votre côté. Voilà. Il y aura bientôt du nouveau contenu sur la chaîne, des nouveaux tutos, notre vidéo. Bref, voilà, plein de nouvelles choses vont arriver. Même si le planning pour l'instant de la chaîne, c'est un peu le bordel parce que j'ai un retard très conséquent sur le planning qui était prévu. Mais bon, voilà, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez, rejoignez si vous avez apprécié le contenu que vous avez vu ce soir. Allez, je vous donne rendez-vous, je vous laisse ici pour ces aventures et je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes. Allez, ciao tout le monde. Bye.